Bien le bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live. Aujourd'hui, nous continuons notre let's play sur Miitopia. Nous nous sommes arrêtés juste devant un volcan. Nous allons rencontrer Lopok le Crocon. Et nous allons essayer de retrouver les anciens copains, à savoir Lelei, Deotun, Tartin, Léotech Maker. J'ai oublié qui c'était qu'il y avait d'autres, Mister JD. Et je sais plus. Marshall. Et il en reste un. Non, et c'est bon. Voilà. Et après, dans notre team actuel, on a Lopokut, Askens et Deotun. Je crois que j'ai oublié personne. Bref, il y en a 9, on en a déjà 3 avec nous. Mais je me suis trop mélangé en disant qui j'avais pas avec moi et qui j'avais avec moi. Bref, du coup, on n'a pas le temps et nous sommes partis. Let's go. Hop. Ah, le jeu. Non, j'ai pas mis la carte, je suis quel cono. Oups. Où est la cartouche? Ah, je me croirais dans un court-métrage de Cyprien. Où est la cartouche? Oh oh. Les problèmes. J'ai rangé. Oh non. Ça m'apprendra à faire le ménage et à ranger. Ah non, mais attends, là, il y a un vrai problème. Elle est où? Non, il y a un vrai problème. La cartouche était censée être juste là. Elle y est pas. J'ai la cartouche de Mario Kart. Oh non. Non. Ah, elle est là, c'est bon. Putain, elle était sur mon imprimante. Oh, j'ai eu chaud. Oh, j'ai commencé à stresser. Oh putain, la frayeur. Ah, c'est bon. J'ai eu super peur. J'étais pas bien. Ouf. Oh putain, j'ai un peu stressé. C'est bon, tout va bien. Tout va bien, c'est bon. On l'a la cartouche. Elles sont toutes petites ces cartouches là aussi. Elles sont tout rikiki, on dirait mon sexe là. Regarde comme c'est tout petit. Non mais tu peux pas les retrouver. Des données de sauvegarde de la version démo ont été trouvées. Quoi? Ah d'accord, je suis pas sur le bon profil, ok. Ils m'ont fait trop peur là. On recommence et on se met avec Mario. Voilà. Oui, il faut que j'alterne entre Miitopia, je l'ai commencé sur un autre compte, et mes autres jeux, je les ai commencés sur mon compte principal. Allez, viens là. Poutou, ça charge. Poutou. Vous avez reçu une lettre. Ah bon? Oh, c'est Juliette. Cher Farod, mon chéri est si gentil et si beau. J'espère que vous aussi vous trouverez le bonheur un jour. C'est très gentil, Juliette, de me le souhaiter, j'espère aussi. Allez, on y va, vous avez obtenu 3 tickets sortis. Hashtag Nick Tartin, on est prêt. Bon, alors d'ailleurs, il fallait que je vous parle du hashtag Nick Tartin. Il fallait que je vous dise quelque chose de très important. Je me doute bien que parmi vous, il y en a certains qui sont abonnés au Twitch de Tartin, et qui, quand il va se mettre à stream, quand il va recommencer ses streams, il y a sûrement des gens qui vont aller écrire Nick Tartin dans le chat. Bon, en vrai, dites-vous qu'entre nous, c'est marrant de faire Nick Tartin, mais je suis pas sûr que ça lui fasse très plaisir que vous disiez Nick Tartin dans son chat. Du coup, j'attends de vous que vous alliez tous dans son chat quand il stream, et vous mettiez vraiment tous Nick Tartin. Comme ça, il sait à quel point je le déteste. Je compte sur vous. Vous êtes autorisé à écrire hashtag Nick Tartin dans son chat la prochaine fois qu'il stream. Ok? Allez, on est bon. Le monk est chaud. C'est parti. En vrai... Non mais en vrai, je lui ai envoyé... On en a parlé tout à l'heure. Je lui ai envoyé un dévocal... Dévoco, pardon. Sur Instagram pour lui dire... Il y aura peut-être des gens. Il a dit... T'inquiète, c'est pas grave. Moi, je lui ai dit... Ah, t'es sûr? Parce que... Il m'a dit que ses modos étaient prévenus ou je sais pas quoi, donc... On va voir si ces modos sont prévenus, allez-y, vous balancez, vous avez tous cette ban de chez lui, mais... Après, s'il commence à bannir tout le monde, il aura plus personne pour regarder, ça va être triste. Ouais, le faites peut-être pas, en fait, hein. Je sais pas, j'en sais rien. Comme vous voulez, vous êtes grand, hein. C'est comme... faut vous gérer tout seul, hein. Bon, alors... Ah oui, c'est vrai, j'ai le joueur du grenier qui me follow. Bonsoir à tous, en tout cas, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bonsoir aussi à la modération de ce soir, je vois Morgane dans le chat. Je vois Okramera dans le chat.
Et peut-être qu'il n'y a que vous deux dans le chat, je sais pas, du coup. Hop. C'est bloqué, tu peux pas dire ça. Ah, il a bloqué, un modo a bloqué le hashtag Nick Tartin. Bon, comme ça, c'est réglé, du coup. Ouais, c'est réglé. Allez, c'est parti. Quand on a un jeu à continuer, là, un petit peu, ou quoi. C'est le moment qui est chaud. J'espère trouver un Dracaufeu ici. Comme dans Pokémon Snap. Ah, il a bloqué. Ah, merde. Ah, il m'avait pas dit qu'il avait bloqué ça. Allons-y. Donc, c'est ça, on est avec Askuns, avec Lopocute, avec Deotune et avec JDG. Un lac de lave. Merci, je m'en suis aperçu. Je suis tombé... J'ai fait tomber mon mouchoir dedans. Et pouf. Il a brûlé instantanément. Ça alors. Faisant en sorte de ne pas connaître le même sort. Oui, oui, c'est tout à fait préférable, effectivement, oui. J'ai la patate. Un combat. Un combat. Normalement, je suis plutôt fort, là. Je vous rappelle que ma team, elle est plutôt balèze. Oh, attends, est-ce que ce sont les mêmes ennemis qu'on connaissait avant? Je me souviens pas qu'ils avaient des boucles d'oreilles. Je pense qu'ils sont encore plus forts qu'avant. Oui, c'est vrai, je joue en automatique pendant les petits combats comme ça. Ils enlèvent taille de vie. Il va falloir vite en tuer un, je pense. Oh, quel gâchis, Askuns, t'aurais pu attaquer. Vas-y, fais méga mal. Et en plus, elle a le cheval. Pouah, nickel. Ah oui, pour celles et ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, j'ai troqué ma classe de princesse et je suis redevenu un chat, puisqu'on me l'a proposé. Chaque joueur peut changer de classe. Mais tu reviens au niveau 1 si tu prends une classe que tu n'avais jamais faite avant, ce qui n'est pas très intéressant, je trouve. Et la classe chat, je me suis rendu compte, c'est celle qui faisait le plus mal. Attention, Déo est tombé. Celle qui faisait le plus mal, donc je suis très content de la récupérer. Qui va l'aider? Il faut qu'il se lie d'amitié avec d'autres personnes. Il va se lier d'amitié avec Ascu. C'est parti. Tout va bien? Oui, merci. Et voilà. L'amitié a été renforcée. N'empêche, j'étais trop belle en princesse. Dommage que ce soit pas une classe si folle que ça. Ah, mais moi, je me trouvais vraiment trop trop bonne, en fait. C'était ouf. Si je pouvais, je me serais pécho de dingue, en fait. Oh, il y a une bombe. Un peu comme vous. Alors, je prépare ma méga attaque. Oh, la bombe, elle a taille de... Ouh, là, les problèmes, je vais mourir, en fait. Alors, on va peut-être utiliser la salière un jour. Eh, parce que, ok, je joue en automatique, mais le jeu, il gère pas plus que ça, la salière en automatique, j'ai l'impression. Voilà. Yes, bien joué. La bombe a l'air d'avoir énormément de défense. Ah, elle a explosé, ok. Non, et alors, défense, ok, mais pas beaucoup de vie, j'ai l'impression. Nouveau niveau. Bien joué. Trop forte. Bravo. Excellent. Merci beaucoup à Merle Panda qui a sub en tier 1 pour la première fois de toute sa vie. Bienvenue. Putain, j'avais laissé Askuns avec le cheval. What the fuck. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Retournez là-haut. N'importe quoi. Malade. Merci à Jean-Mi qui a resub pour ses 3 mois. Qu'est-ce qu'il dit? On aurait dit un petit chat. Tu es sérieuse? Oui, et crois-moi, j'ai eu le temps de l'étudier. Alors, je sais pas de quoi elle parle. Et tu n'as pas bougé. C'est pas vrai. Oh, c'est fou quand il te manque une seule phrase dans un dialogue. Comment t'as plus du tout de contexte? Merci Jean-Mi pour les 3 mois des subs. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un de tes lives. Ça me fait très plaisir de revenir ici. Mais bonsoir. Bonsoir à toi. Canandre42 a resub pour ses 4 mois. Merci beaucoup. Lexios.fr a offert 2 subs. Quelle générosité. Drinkos YouTube a resub pour ses 2 mois. Salut, j'aime trop ton contenu. Est-ce que tu connais Frédéric Gérard? C'est le plus grand pâtissier de France de Caen. Eh bien, pas personnellement. Et pas impersonnellement non plus. Je suis pas dans le game des pâtissiers pour le coup. Mais je serais ravi de le rencontrer s'il me fait un gâteau. Avec plaisir. Merci de Lukitsui pour les bits. Eh, c'est le retour de Farod de Picha. Elle parlait d'un insecte apparemment. Un insecte. C'est un insecte. Oh, ok, très bien. Et merci Yanneux pour les bits. Coucou Farod, demain c'est mon rituel de vieillissement. Ou anniversaire pour les gens normaux. Sinon trop bien Mythopia, j'ai hâte que tu sauves tout le monde, même Tartin. Même Tartin, ouais t'es chaud toi. Merci Yanneux. Alors... Ah, lui, il adore, elle n'aime pas. La défense, la vitesse. Bon, au point où il en est, Askuns, on laisse tomber la vitesse pour lui. 47, 56. Je crois que je manque un peu de vitesse, je suis pas sûr. Hein. Parce que là, je suis à combien? Je suis à 69. Je pourrais être à 60. Ah non, pas de vitesse de défense, pardon. 70, tu te rends compte? Ça serait ouf.
Je vais tout bouffer. Mais j'ai envie d'être le mec ultra égoïste qui bouffe tout, mais c'est pas très strat en vrai. Et il n'aime pas. Ah oui, elle a besoin d'attaque et de magie, elle, justement. Ça tombe très bien, et pour une fois, elle aime bien. Cool, la magie a augmenté, bien joué. Oh, ça, c'est fort, ça, ça augmente tout. Attaque, magie, défense, vitesse. Toi, t'en as besoin. Bien joué, t'as trouvé ça bon. Waouh, c'est balèze. Je vais en donner un à Farod parce que c'est le meilleur du monde. Évidemment. Ah non, il a détesté. C'est pas le meilleur du monde, c'est un connard. Au revoir. Tant pis. Et j'ai des sorties à faire. Est-ce que j'ai une sortie avec le cheval? Non. Bon alors, vous qui connaissez le jeu par cœur. Je sais que j'ai posé la question la dernière fois, je me rappelle plus la réponse. Est-il intéressant de lier d'amitié les personnages entre eux dès maintenant? Ou alors on va retrouver les anciens collègues très rapidement et je vais pouvoir me créer ma team très rapidement. Et donc du coup je lierai d'amitié les gens entre... Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que dans le jusqu'à la fin du jeu je vais garder la team que je veux avec les trois que je préfère? Enfin pas que je préfère mais qui sont les plus strates. Ou non, je vais beaucoup alterner entre tout le monde. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oh non, je suis désolé. Alors... Comme ça, je suis pas le seul à pas comprendre. Je mange de la pizza en même temps que je regarde la vie. Merci pour la réponse, c'est exactement ce que je voulais entendre. Comme tu veux, c'est ton choix, ok. Je connais pas le jeu, désolé, ok. Parfois, tu as une équipe imposée. Ah. Ok. Ok. Mieux vaut lier les amitiés, ok. Augmente leur relation... Eh ben allez, c'est bon, vous m'avez convaincu. Dans ce cas, on va lier les amitiés entre... Askens et Lopocute, parce qu'ils sont à zéro. C'est des nullos. Allez, on va accélérer du coup, parce que maintenant on commence à toutes les connaître un petit peu. Les... Quoi que c'est dans de la lave, hein. Tu me diras peut-être qu'ils vont aller dans autre parc à la plage. Je sais pas trop comment ils vont faire là. Ah non, ils vont dans un café, autant pour moi. Qu'est-ce que tu bois? De la soupe au gobelin. Tu veux dire de la soupe faite? Ah oui, on l'avait déjà vu celui-là, autant pour moi. Merci beaucoup à l'équipe. Pop, j'ai bien dit pop. Leaky Pop qui a sub en tier 1 pour la première fois de toute sa vie. Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Hop, et en plus c'est vrai qu'on gagne de l'argent quand ils s'en vont. À la belle étoile, oh c'est stylé ça. Cool, 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 cool. Tu vas globalement pouvoir voir ta Dream Team, mais certains événements font que tu pourras pas utiliser Ami. Ok. Oh, c'est super joli! Oh, il y a un feu d'artifice. Et là, l'amitié, elle va augmenter de ouf, en fait. Un cœur? Non. Juste un super feu d'artifice. D'accord, donc, vous me conseillez... Alors, quelqu'un m'avait dit qu'il y avait un level dans lequel c'était très intéressant de lier tout le monde d'amitié. Je crois que c'est le level 4, si je dis pas de bêtises. C'est mieux les lier level 4 à tous. Lui et Askens, ils sont niveau 4, parfait. Mais lui et Lopocute, ils sont que niveau 2. Non, c'était niveau 6. Ah ouais, d'accord. Ah oui, on n'est pas à côté encore. Bon, alors je vais essayer au moins de les lier niveau 5 avec les tickets. Et avec un peu de chance, ils vont se lier entre eux d'amitié avec les petites animations sur le chemin ou ce qui se passe en combat aussi, ce genre de truc. Hein. Ah, il vole les deux. La dernière fois, il en avait volé qu'un seul, je suis quasi sûr. Niveau 99, c'est mieux. Oui, oui, c'est pas faux, disons comme ça, oui. Allez, on va les renvoyer ensemble au cinéma. Je crois que toutes les sorties augmentent l'amitié de la même façon. Hein? J'avais eu l'impression que... Pas trop. J'avais l'impression qu'il y avait certaines sorties qui augmentaient beaucoup plus. Mais peut-être que ça dépendait des moments du level d'amitié de base, en fait. Oh putain, il y a Loki en bas à gauche. C'est Loki de Marvel. C'est excellent. J'ai commencé la série Loki hier soir. Enfin, j'ai vu le premier épisode, puis il y a que celui-là qui est en ligne. Maman, c'est énorme. C'est trop bien. Je prends autant de plaisir à regarder ça que j'ai pris de plaisir à regarder WandaVision. C'est trop, trop cool. Tu vois, Falcon et le soldat d'hiver, j'étais un peu en mode... Ouais, bref, un peu, c'était du très Marvel classique, pour le coup. Mais là j'adore ce qui...
les directions qu'ils prennent en fait. Ils sont en train de partir dans certains délires, dans certains univers qui sont très 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 stylés. Allez, encore un petit. Ouais, mais je suis pas sûr d'arriver à faire 99 là le level avec tout le monde à mon avis. Et ils font de la cuisine maintenant. Et je suis sûr qu'on va pouvoir le manger juste après. Oula, ils ont augmenté beaucoup. Et t'as vu qu'elle a augmenté beaucoup beaucoup celle-là. Tu vois, c'est pas les mêmes mêmes d'XP d'amitié, j'ai l'impression, à chaque moment. Du coup, on va remettre Askens et Lopocute. Et on va aller... ah oui, ils peuvent aller à la salle de sport maintenant que c'est ouvert, c'est bon. J'ai pas spoil, enfin je crois pas. J'ai dit... Non, j'ai pas spoil la série, j'ai juste dit que c'était beaucoup trop cool. Il est bizarre Askens, il a une tête chelou. Ok, et une dernière fois, et on sera bon. Tu vas avoir la quarantaine avant d'avoir tous tes persos level 90, ouf. Oui, je vous lis ou Kramera, bien sûr, qu'est-ce qui se passe, dis-moi. Je comprends que le niveau d'amitié n'augmente pas toujours de la même façon, ça fait comme ça aussi dans ma partie. Allez, on a bien consommé tous les tickets, ça c'est bon. Sauf qu'on a chopé des nouveaux trucs à bouffer. Alors ça, ça augmente défense et vitesse. En termes de défense. Il en a bien besoin, Askens, de la défense. De l'attaque. Donc il a 53. Oula. Oula, elle a pas beaucoup, elle. Ça, ça augmente les PV et l'attaque. Ah, elle a plus faim, merde. 49. J'ai envie de me le prendre. Allez, je me fais plaisir. Ah non, il a trop mangé. Et ça, c'est les PM et la magie. Eh ben, vas-y, on garde ça pour plus tard. Et on a des jeux, on va aller voir un petit peu ce qui se... Eh, attends. Personne veut acheter un truc, là, des fois. Ouais. 1900. Oh, mon dieu, ça coûte tellement cher. Si vous devez choisir un jeu Switch, Mythopia ou Smash Bros... Non, mais... Il n'y a aucune hésitation là par contre. Ouais, tu vas prendre la nouvelle. On est bon. Est-ce que vous proposez quelque chose ici? Une pâte en acier. Ouf, une pizza géothermique. Un voyage de luxe. Ouh, ça a l'air très très intéressant tout ce qui se passe là. C'était qui était avec qui là? Je me rappelle plus trop. Oh, c'était qui était en haut? C'était le Pokute et Kakonot, non? Ah, c'était Askens, ok. Alors, à quel point il va augmenter? De beaucoup. On va rejouer, je vais essayer de... Ouais, il tombera jamais la pâte en acier, en fait. Laisse tomber. Et on y va! J'ai appuyé sur B sans faire exprès, sachez-le! Donc, je disais, on y va! Nice. Oh, cool. Alors, ils vont me proposer de passer à droite ou à gauche après. Les problèmes. Oula. Oh. Ils sont tous morts. Adieu. Qu'est-ce que... Mais où sont les autres? Ah, c'est ça qu'on me disait en mode le jeu va t'imposer de ne plus avoir tout le monde. On ne peut rien faire pour eux, il faut continuer. Mais mec, t'es sérieux? Ils sont... ils sont en train de souffrir sous la pierre et toi tu dis on ne peut rien faire pour eux. L'équipe a été séparée en deux. C'est bien la peine de leur augmenter leur stat, hein, je te le dis. Et je retourne à l'auberge. Eh bien très très bien du coup. Eh bien ok. Bah du coup, tu manges. Ah, il est caca. Ah, elle aime bien. C'est vrai que la magie, toi, t'en as besoin. Et les PM aussi, t'en as besoin, c'est vrai. Allez, c'est bon. Hop, c'est parti. Ah oui, il m'en... Attends, quoi? Je peux pas bouger, je suis obligé d'aller là, en fait. J'apparais là pour re-aller là, en fait. Allons-y.
Bonsoir Knut dans le chat qui vient d'arriver. Ah tu vois Morgan, je suis pas le seul à ne pas voir des modos des fois. Allez, je t'ai pris sur le fait, là tu pourras plus jamais me dire que je vois pas les modos dans le chat, c'est fini. Je l'ai vu, c'est trop tard, je m'en souviendrai toute ma vie. Je l'inscris sur un papier, c'est trop tard, c'est fini. Adieu. Allez vas-y le jeu, travaille tout seul comme un grand. Ah mais c'est vrai que maintenant on est que tous les deux, ça risque de faire beaucoup plus mal. Les ennemis vont avoir tendance à attaquer plus souvent les mêmes personnes du coup. Et attaquer beaucoup plus vite, là où on... Ah oui, ouh, les problèmes. Donc j'imagine qu'on va trouver deux autres persos pour remplacer les autres. Et il va falloir recommencer tout. En fait j'aurais dû garder mes tickets. C'est ça qui aurait dû se passer. Notre équipe a été coupée en deux. On ne va pas pouvoir rejoindre les autres avec tous ces rochers. Ça doit les bouleverser. Sans moi, pour les protéger, leur vie ne tient qu'à un fil. Il faut trouver une solution. Les pauvres, je les plains. Sans leur réconfort de ma présence à leur côté. Fais un peu la belle, le Pokyu, t'étais pas comme ça avant. Bon, ben moi j'y vais alors. Hein. Allez, salut. Ok. Ah, alors j'ai bien senti qu'il y avait un jeu de mots avec bouleverser, mais j'ai pas trop réfléchi dessus. Elle a dit ça doit les boules verser. Les boules verser. Pas mal. Énorme. Allez, déboîte-le. Bien joué. Il m'a bouffé, et au calme. Attends, qu'il a fait quoi? Je sais pas. Ah, il avait... Oh, il m'a piqué mes gants, en fait. Le cheval, il sert à quoi? Des fois, il s'active et tu fais des attaques super plus fortes que d'habitude. Mais c'est un peu à son bon vouloir, je t'avoue. C'est un peu quand il veut. Oh, bien sûr qu'on va ouvrir un bonbon. Ça n'a pas de prix. Heureusement que JDG est là, qui s'est pas fait écraser par les cailloux. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Hic. Hic. Oh, il a le hockey. Encore un petit. Non, il a plus le hockey. Bah, pas besoin de lui faire peur, regarde. Il a plus le hockey. D'accord. C'était nul, en fait. J'aurais dû le laisser tranquille. Pam. Allez! Je suis niveau 27, c'est le cheval. Qu'est-ce qu'il y a? Mais arrête! J'ai commencé le jeu il y a 22 minutes, calme-toi. On va continuer à jouer, bien sûr. Alors, personne ne va s'acheter d'armes. On va donner à manger. Oh! Des bonbombes. C'est dur à dire ça. Allez, t'as deux doigts de monter PVPM, régale-toi. En plus, t'as détesté ça, bien fait. Ça t'apprendra. PV magie, allez, c'est pour toi. Voilà. Bah, c'est vrai que lui, il a pas forcément besoin de magie en soi. Elle a plus faim, bah du coup, vas-y, mange le deuxième. Ah, il a adoré, tiens. Et pour une fois, l'entièreté de l'équipe n'a plus faim. Elle est complètement rassasiée, c'est nouveau ça. Oreille de danse, tout confort, arrêt... Ouais, pff, non. Non. Non, 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 ça ira, merci, au revoir. Ok. Donc Déo est en bas. Ah mais oui, il est sur la map, je l'avais même pas capté. Faut faire tout le tour pour aller le chercher. La galère. À quand le niveau 69 en relation? C'est trop drôle. J'y avais pas pensé en plus. À aucun moment je me suis dit putain 69 et tout. Non, jamais. En vrai c'est bien, bravo. Parce que vraiment t'as été au-dessus de moi pour une fois. Chapeau. Est-ce qu'on peut dire que l'élève a dépassé le maître? Je crois que oui, on peut le dire. Allez vas-y JDG, démonte-le, bien joué, on est trop fort. Allez salut, ciao ciao. On a le seul morceau, bien joué. Et on repart. Oula, qu'est-ce qui va se passer? Dites, vous êtes plus ou moins puissant, plus ou moins puissant que l'avatar du mal? Question des plus délicates. Moi je suis sûr que vous pourriez le battre. Oui, je pourrais sans doute le battre. Mais vous savez, je n'ai jamais pris aucun plaisir au combat. Et de toute façon, détruire l'avatar du mal est votre mission, pas la mienne. Enfin c'est mon point de vue. Et je me demande si j'en suis capable. Et bien sûr que vous en êtes vous l'êtes, j'en suis certain. En plus de pas battre l'opoc, je sais pas parler, c'est fou. Je sais pas lire.
Levier ou coffre? Oh bah coffre. Levier, je prends trop de risque de manger une pierre. Après coffre, je prends le risque de croiser un ennemi aussi, tu me diras. Allez, vas-y. Attaquons ensemble. Bien joué, 24. Oh, voilà. Et en plus, oh là là. Hey, hyper intéressant. La bombe, quand tu la tues, elle tue l'ennemi à côté. Maman, niveau 12, let's go. De la momie séchée. On va manger nos morts, let's go. Il a la flemme de le battre. JDG, ouais, il a la flemme de ouf. C'est bien ça, des tickets jeux. J'en avais pas assez, c'est bien. Papapapapapapapin. Alors. Elle veut voir ma chambre. Elle veut voir ma chambre, c'était sûr. C'était sûr, ça le fait tout le temps. J'ai trop l'habitude. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. Il nous faut plus de discipline. Et ça, on l'avait déjà vu. Attends, ça a lié d'amitié un peu ou pas là? J'ai pas trop eu l'impression. Bon, les tickets sortis. Ah, je n'en ai pas, ok. Bon, on va les faire dormir un petit peu ensemble. Le jeu peut-être? Ah, j'ai une chance sur deux d'avoir une banane. Mais j'ai une chance sur deux d'avoir une grosse portion d'XP, ça serait ouf ça. Oh, c'était pas loin! Les patins lacés, c'est cool là. Hein. Oh, c'est Wolverine! Oh là là, la puissance, je passe. Oh là là, oh oui, oui. Oh là là, trop fort. Je veux retenter pour. Merde, j'appuie sur B, quel con. Je veux retenter pour la grosse portion de d'XP. Je m'arrête dès que j'ai une banane. Tant que j'ai pas la banane, je continue. Allez, en plus vous avez vous lié d'amitié, c'est bon ça. Voilà. Plop. Et là on est niveau 10. C'est pas mal ça. On rejoue tant que j'ai pas la banane. Je l'ai dit, je le fais. Nice, et on va le vendre. C'est ça. Merde, il l'a déjà. On va la vendre. Oh. Ok, on va rejouer encore une fois, je pense, à mon avis. Ah oui, oui, ah oui, oui, ah oui, oui, rejouez, oui, oui, s'il vous plaît. Ah oui, oui, oui. Non. Non. Ah, oh, j'ai appuyé sur rejouer, quel con. Ah, oh, j'ai pas fait exprès. Oui. Let's go. Ah, parfait. Oh. Je me suis fait beaucoup de sous, je me suis fait 3800, je veux rejouer, oui. Je veux de l'expérience, s'il vous plaît. Bah. C'est incroyable ce qui se passe. Ok, c'est bon ça. Allez, je m'en fous, je donne la farode. Prends. Pouah, 2600 d'XP. Allez, je garde un ticket pour la prochaine fois, faut savoir être raisonnable un petit peu. Ah, il y a à manger, c'est vrai. Un qui fait les PV la magie, l'autre l'attaque et la magie. Elle a 49. Moi je suis à beaucoup trop. Ok, et après en magie, elle a 70 et moi je suis à rien du tout en fait. La magie, on s'en fout un peu pour Farod, je crois. Piou piou. Après en défense, elle a 56 et moi je suis à 72. Au calme. Je m'en fous, je prends. Voilà, j'aime pas, on le saura. C'est peut-être déjà écrit, je sais pas. Allez. Ah, j'ai pas vu si quelqu'un voulait acheter quelque chose au fait. Non. Allez, on se casse. On n'a pas le temps. Pourquoi il n'y a que toi et l'Opo Cute? Parce qu'il y a des cailloux qui ont écrasé les copains. Et on a été séparés malheureusement. Et je suis très très triste. Allez, on trace. Eh, Farod a mangé, c'est mort, effectivement. Alors fais attention à la façon dont tu le dis dans le chat. Voilà, j'ai pas eu le temps de te prévenir. Ah, si Amodo tombe dessus, il va te théo parce qu'il va considérer que c'est une insulte. Le truc, c'est qu'on peut pas savoir si c'était vraiment une insulte ou pas. Alors, pendant ce temps, ça ne sert à rien de rester ici. Continuons. Ouais, ça a été peut-être une, on sait pas. Quoi? Je vais jouer avec eux, de leur côté, mais c'est trop cool. Oh, la classe! Ah, oh, en fait, je joue avec... Je ne joue plus avec Farod. Déo raconte un épisode marquant. Et ensuite, on est devenu meilleur pote. Let's go. Parfait. Ah ouais, mais si j'avais su, j'aurais gardé les trucs à manger.
Une dague en argent, une pincée. Non, c'est nul. Adios. Allez. Ouh, ça va être un petit peu plus dur de jouer avec eux. Oui, bah alors, let's go. J'avais oublié qu'il fallait appuyer sur le bouton A. 1, 2, 3. Non, 3, 2, 1, il a dit. 3, 2, 1, partez. Cet éboulement, quel choc! Nous ne pouvons pas rejoindre les autres. Notre groupe va sans doute continuer sans nous. Nous devrions faire de même. On finira bien par se retrouver plus loin. Oui, on y va. Ils sont intelligents, c'est bien. Chargé! Let's go. Je sais pas si tu as remarqué, mais le background de l'auberge change en fonction du monde dans lequel tu es. Je crois l'avoir remarqué, mais je suis pas sûr. On revoit ça juste après. À la prochaine auberge. D'abord un petit combat. Oh putain, ils sont beaucoup. Trop fort l'attaque. Il en prend de tous les côtés, mais c'est pas grave. Oh non, elle a avalé l'arme. Elle a avalé la boule de Askens. La grosse boule de billard. Olé, olé, olé. J'ai pas eu le temps. Tu manges ta meilleure banane. Allez-y. J'aurais dû l'anticiper. Et avoir le doigt dessus de suite. Tant pis. Voilà. Ah, il est mort. Il est juste mort, bah c'est pas grave, on va le faire revivre, regarde. Tout va bien. Bah voilà. Voilà. Tiens, tu prendras bien un peu de points de magie. Voilà. Enfin, de PM. Il m'a rendu mon arme. C'est tout gluant. Oh non. Voilà, c'est ça qu'on veut. Voilà, c'est ça qu'on veut. Allez, salut. Dans les dents. Il a deux doigts de monter de level, Askens, c'est bien. Alors, où vont-ils arriver? Il y a quelque chose qui me tracasse. C'est à propos de Deo. Parfois, il porte ses vêtements à l'envers. Je me demande si je devrais lui dire. Deo, ça va? Ça va, mon pote? Tout va bien? T'es sûr? Trop bizarre, non? Oui, ouvre-le. Nice. Oh là là, je suis tellement riche. Qu'est-ce qu'il y a? Une auberge. Alors, le background de l'auberge change, on va voir ça. Oh, 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 Mickey! Oh, Mickey! La capacité de la salière est passée de 140 à 160. Oh, oh, oh! La gratitude des habitants que tu as sauvés renforce tes pouvoirs! Tu apportes de l'espoir à tout Mythopia! Continue à vaincre les monstres qui se dressent sur ton passage! Prochaine étape, sauver 700 habitants! Bon courage! Oh, oh, oh! Pouah, Mickey a parlé! Let's go! Ah oui, t'as raison, le background est un peu changé. Et l'amitié est là, ils sont trop stylés. Non, et vous m'avez demandé ça il y a même pas 10 minutes. Vous pouvez arrêter, c'est extrêmement frustrant à force. Personne ne veut rien acheter, ok. Oh, il aime pas, on va tout lui donner à lui alors. Après, si on a que ça tout le temps, Deo, tu vas pas avoir grand chose. Hein. Surtout qu'il te faut vraiment de l'attaque. C'est dommage ça. Eh ben tant pis, rien d'autre. Quelque chose d'intéressant. Habit en soie. Scorpion grillé. Une chance sur deux d'avoir un bonbon. Plus d'une chance sur deux d'avoir un bonbon. Trop risqué pour moi. Je ne veux pas le tenter. Bonbon. Alors, il va se rapprocher un peu plus. Ah, il y va direct. Oh, il a mangé une étape en plus. Tiens donc! Oh, Deo! Mais pas Askens, du coup. Je suis content de vous voir en un seul morceau. C'était plutôt rapide, en fait. Je m'attendais à un épisode beaucoup plus long. Arrêtez d'aller tout le temps à l'auberge, vous en sortez à l'instant. J'ai envie de voir la chambre de Deo. Ah, très bien, je vais te la montrer, la chambre de Deo. T'inquiète pas. Ça va être bien. Farod pousse la chantonnette. La chansonnette. Deo se joint à lui. Oh, on chante à l'unisson, c'est trop stylé. Allez, on est niveau 12. 12, c'est énorme. On est trop potes, en fait. Quelqu'un veut acheter quelque chose? Oh oui, ils veulent tous acheter quelque chose. Ça va lui augmenter la défense de 4, et ça, c'est bon.
Vous avez récupéré... Ah non, mais merde, quel con, il a acheté un bonbon. Kono. Oh, c'est un habit de chat. Karaté. Oh. 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 Mais trop stylé. Oh. Oh. Oh là, quoique. C'est comme Rock Lee. En fait, c'est pas très beau. Oh, bleu et orange, ça ressort bien, bien, bien. Eh, noir et orange comme ça aussi, c'est pas mal. Hein. Mmh. Oh, le rouge, ça fait très... Oh, j'avais pas vu les moustaches aussi. Oh, attendez, les moustaches, ça change tout, là. Aïe, 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 aïe. Les moustaches rouges, ça fait... Oh, c'est pas mal. Moustache noire, tu vois, c'est classique. Moustache bleue, c'est joli. Ah, j'hésite. J'hésite entre rouge, entre bleu et entre noir. Qu'est-ce que vous préférez? Pour le savoir, je vais faire, vous le savez, un petit sondage. C'est parti pour le poll. Quelle couleur? Rouge, bleu, noir. C'est parti. Allez-y, votez. Le sondage est lancé. Régalez-vous. C'est la démocratie qui l'emportera, je vous le dis. J'ai soif. Il me faut de l'eau, de l'eau. Merci beaucoup à Léon Kos, Kassab en Prime, pour la première fois de toute sa vie. Bienvenue. J'espère que tu vas bien. Oh putain, quelle majorité écrasante. Pour le noir. Eh ben, let's go sur le noir, alors. Ah, vous êtes beaucoup à vouloir du noir. Eh bien, pourquoi pas. On est bon. Peut-être un petit truc sympa, là, ici, ou quoi, là. Deux tickets sortis, oh, une bonne dose, c'est bien. Des ailes de démon, tout est bien, sauf la banane. Je veux tout sauf la banane, s'il vous plaît, tout sauf la banane. Tout sauf la... Bah voilà. Oh, et en plus, on est l'objet. Mais parfait. Parfait. Hein. Ah merde, changer d'avis. Je suis gouré. Waouh, la défense augmente de 4. C'est joli. On va lui changer la couleur un peu à l'Opocute, non? Qu'est-ce qui... Oh, le bleu sympa. Ça fait revirement de ouf. J'aime bien l'orange aussi. Ouais, bleu, bleu. D'accord, bleu. Ouais, mais c'est tout le temps rouge. Faudrait changer un peu. Faudrait alterner, non? Bon, je m'en fous. J'impose mon veto. J'ai mis bleu. Rejouer. Eh bien non, je ne peux pas. C'est parti. Je me suis trompé. Évidemment, on ajoute tout le monde à la team, bien sûr. C'est parti. Eh bien, évidemment qu'on va s'en sortir tous ensemble. Je ne t'avais jamais vu dans cette tenue. Elle te va super bien. Putain, merci mon gars, trop sympa. Eh mais on devient trop potes là en fait avec Déo. Je sais pas ce qui se passe là aujourd'hui, il est ultra sympa. Je suis tout requinqué. Requinqué? C'est un mot employé par toute la France ça, requinqué? Ou alors c'est dans le lore du jeu, Déo Toon est un sudiste. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On dirait un grognement. C'est peut-être un chien ou alors une meute. Restons sous nos gardes, ce grognement me rappelle. Ouf, le fameux chien a deux têtes? Non, trois têtes. Cerbère. Cerbérus. Facerbère. Facerbère, le chien des enfers. Ouh, le problème du... Ouh, la grosse baston, là. Hein? Eh, mais attends. Mais on les connaît, ces petits visages. C'est... J-Day, Antoine Daniel... Et Lelei, du coup. Oh. Oh, un don de l'esprit divin, trop sympa. La salière pouvoir plus débloquée. Qu'est-ce que c'est? Verser sur un mi, cette poudre mystérieuse renforce ses pouvoirs. Oh oh oh! Affronter des ennemis puissants a révélé un nouveau pouvoir. Celui de la salière pouvoir plus. Avec des pouvoirs renforcés, un mi inflige plus de dégâts. De dégâts, oui c'est ça, de dommages aux ennemis. Tu pourras renverser la situation lors d'un combat. Oh, oh. Ah. Alors déjà... Oui, oui,
Oui. Et surtout, voilà, pas de combat automatique. Ah, quoi, ils ont tous perdu le contrôle? Ils vont tous jouer d'eux-mêmes, en fait. Ils vont... Oh, putain, on va faire trop mal! Putain, 92, 80, qu'est-ce que c'est que ça? 56! Ah, il s'est endormi. Et on va redonner de la vie un peu. Ils sont trop... Merde! Non, c'est pas le bon. Oh putain, l'erreur! Je gagne de la vie dans l'abri si je dis pas de bêtises. Waouh, ils font giga mal. Putain, mais faites des vraies attaques un peu là. Voilà. Mais c'est... il est cheaté ce pouvoir. Waouh, ouais, c'est ouf. Je suis choqué comment c'est trop bien. Je me prépare à attaquer. Enfin, à mettre la, les PV. Tout le monde reprend de la vie. Voilà. Merde, il attaque encore. C'est pas vrai. Faut éviter que qui que ce soit meure. On n'a aucun healer dans l'équipe. Par contre, Farod, il attaque jamais ou c'est comment là? À croire qu'il faudrait que je lui redonne ça en fait, pour qu'il attaque. Et il fait pas mal! On connaît même pas la vie du... le restant de vie du Cerber, vu qu'on peut même pas le cibler. Oh, Deo s'est calmé. Et, mais il va juste attaquer le cheval en fait. T'imagines si t'attaques en étant fou avec le cheval? Ça va encore, ils peuvent tenir. Et Deo s'est endormi, ok. Tant mieux que ce soit lui qui t'a endormi parce que c'était le seul à s'être calmé en fait. Je commence à avoir plus beaucoup de vie. Et bien voilà, je n'ai plus de vie. Là, va falloir juste tenir du coup. Le Pokut s'est calmé, ok. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ah, elle est bien cette attaque. Il baisse sa garde, donc maintenant les attaques feront méga mal. Sauf qu'en fait, tout le monde s'est calmé. C'est dommage qu'elle n'ait pas fait avant du coup. Oh oui, le feu, le feu, le feu. 155. Oh. Oui. C'est bon ça. Ça, c'est ce qu'on veut. Allez, Farod, est-ce que tu mettrais pas le petit coup de grâce, là? 135... Oh là 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 là. Mais on est où, là? Oh, mais on les a démontés, les petits chiens, là. Trop fort, ce pouvoir. Ça, c'est fait. Allez, bien joué. Niveau 12, bravo. Bonus XP 350, bien joué, on va le donner à Farod pour qu'il passe niveau 13, bien évidemment. On pense qu'à lui, bien sûr. Et on a gagné un hot dog d'enfer. Pff, trop fort. Et maintenant les trois copains, ils récupèrent leur visage. Nick Tartin. Nick Tartin. Lelei. Antoine Daniel. Jidday. Oh, Farod, nous sommes libres. Nous te devons une fière chandelle. Alors, il y a juste ma... Il y a vu ma grosse tête qui me gêne. Je ne vois pas ce qui est écrit. Voilà. Parfait. Dites donc, quand vous vous faites enlever, c'est galère de vous retrouver, vous. Oh, pardon. tu peux répéter ça, gros con? Non, rien, je parlais tout seul. Les trois autres sont encore dans le château de l'avatar du mal. C'est pas que j'aime chercher les ennuis, mais allons les secourir. Donc il manque qui là? Il manque Léo, il manque Marshall, il manque Tartin, c'est ça? Ah ouais. Ensemble, on peut y arriver. Mettons-nous en route. On part devant.
À plus dans le bus. Quoi? Il part tout seul? Lele et les autres se dirigent vers une auberge. Ça nous fait déjà 6 personnes de sauver. Vous devriez à présent être assez nombreux pour vous en sortir sans moi. Oh oui? Dans ce cas, je vais me retirer. Je vous laisse vous débrouiller pour la suite. Bonne chance. Merci pour ce que vous avez fait pour nous. Le grand sage est déjà quitté l'équipe. Non. Waouh, mais c'est pour ça qu'en fait dans l'auberge, il y a tellement de place. En fait, parce qu'ils sont tout pleins. Ah ouais. Mais c'est fou. Il y aura tellement de potes ensemble. Il va aller voir la chambre d'Ascut. Oh là là, ça va être ouf là, la strat à mettre en place. Alors. Bon, déjà là, je peux déjà commencer à réfléchir à une bonne team avec ces 6 persos qu'il y a là. Tout en sachant que moi, je peux pas m'enlever de la team. Il va falloir que je réfléchisse un petit peu. Oui, t'as raison, j'aurais dû mettre JD avec le cheval plutôt que tout seul. Non, t'as complètement raison. Oh là, regardez le dessin en haut à droite de mes liens d'amitié, comment... Oh là là, il y a trop de monde. Déjà, qui veut de l'argent? Non, déjà, il faut qu'on fasse la team pour savoir à qui on donne de l'argent, mais non, c'est con, parce qu'en fait, vous m'avez dit que on sera amené à avoir des obligations. Oh là là, Lele, tu vas avoir un putain de hachoir. Oh, ton attaque qui augmente de 8. Oh là 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 là. Lele n'est pas dans le chat, on est bien d'accord. Hein. Elle n'est pas là ce soir. Eh, mais comme je peux pas lui demander si elle veut que je change. Bon, si elle n'est pas là. Si elle n'est pas là, je vais changer de l'arme. Et vu que les absents ils ont toujours tort, du coup. Eh ben je vais changer son arme et puis salut. Merci beaucoup à Emma Julien qui a reçu pour ses 12 mois. Bon anniversaire! Du coup, ah merde, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a des... Ah oui, des mangas là, c'est vrai. Ouais, bon, tant pis. Merci beaucoup, ça fait déjà un an que j'aide un streamer en or. Je suis tellement heureuse de pouvoir t'aider comme je peux, mais c'est rien comparé aux années que tu m'as remonté le moral. Oh. Non, c'est triste un peu. Mais merci. Putain, toutes leurs armes, elles coûtent 1900, ça va aller tellement vite. Très stylé ton petit micro là en fait. Très très classe. Je crois que je serais pas capable de tout le temps acheter tout pour tout le monde en vrai. Ça coûte que 1100. Oh putain, il doit en avoir besoin lui. Et pour une fois il a acheté. Et un vrai pirate. On va lui changer un petit peu les habits. Parce qu'il a une belle bourse, Déo. Et on va lui enlever le chapeau après. Et j'ai toujours assez pour l'instant pour acheter... Ah, là, j'ai plus rien comme Soussou. Adios. Adios et Soussou. Et on va te la mettre en rouge, évidemment. Ah non, attends. Quoique... Putain, c'est vraiment la même tenue qu'il a dans ses vidéos, là, pour le coup, non? Mais celle-là, elle est trop cool. La pingouin, je la trouve trop classe. Non... Non, allez, je garde la pingouin, je suis désolé, elle est trop bien. Elle est trop emblématique. Ok. Bon, quelle team on va faire? Quelle team on va faire? Tu vois, on va donner à manger à quelqu'un. Ça augmente l'attaque et la magie. Putain, j'ai plus d'attaque que Lele, ça fait longtemps qu'on l'a pas augmenté Lele, il va en avoir grave besoin. Allez, tiens, JD, mange ça. Bien joué. Ok. Ouais, donc du coup, en attendant... Alors, attends. Parce que Ascunt, c'est avec moi. Alors, on va juste attendre que la notif parte. Il a niveau 12, donc ça sert à rien de le garder. Ascunt, on va le mettre avec JD, ils sont niveau 3. Ok. Alors, elle et Antoine, ok. JD, Lopocute et Deo et Askuns qui sont déjà niveau 5. Ah merde. Alors JD et Deo, Askuns et Lopocute. Ah merde, là aussi c'est fini. Et si je fais ça? Askuns et Lele sont à 0. Antoine et Lopocute. Ah non, ils se connaissent déjà. Merde. Ah, Antoine et Askuns, rien du tout. Lopocute et Lele, rien du tout.
Ok, là on est bon. Moi, je retourne avec mon... Non, je suis gouré. Avec mon pote le cheval. Très bien. Bon, maintenant, ça va être le moment le plus dur du jeu. Essaye de changer régulièrement tes équipes afin qu'ils soient tous au même niveau, tu en auras besoin. Ah putain, t'as raison. Mais dans ce cas-là, on va prendre ceux qui ont le niveau le plus faible pour les XP le plus possible. Ouais, il m'en faut encore... Quoi? Attends, j'ai dit que Lelay, je la prenais, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Comment ça, on prend pas le cheval, mais vous êtes fous. Il manque encore une quatrième personne. Il va falloir attaquer... Ou peut-être un healer, en fait. Jida, il est un peu healer, mais pas autant qu'Antoine Daniel. On va prendre Antoine Daniel, il nous aidera bien. Ah, et après, quand on aura trouvé les trois autres, ce sera Marshall qui viendra la nouvelle healeuse. Merci beaucoup à Sexil, Cécile Sexil 12 qui a resub, qui a pari sub, qui a sub pour la première fois de toute sa vie. On te souhaite la bienvenue dans le chat. Regarde, je te tapote ta tête. Bienvenue. Alors, Marco, ce bon vieux Marco. Il va bien, Marco? Sommet du Mont Quechaud. Alors. Allons-y! Et Lelay qui a pas le moral, qu'est-ce qui se passe? Elle a vécu un truc traumatisant. Ça doit être le château de l'avatar du mal. Allons sauver les autres. Ensuite, on ira dire ces quatre vérités à l'avatar du mal. Youp, 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 youp. Ouh, je pense qu'on est encore très très loin du boss final, non? Tranquille. Des squelettes. Allez, régale-toi l'ordinateur. Ah, nouvelle technique. La colère divine. Il a raté. Il a complètement raté. Il a été trop nul. Nick Tartin. Ah, JD, je n'aime pas quand tu fais cette attaque. Elle est pas si full. Si full. Si ouf que ça. Si folle que ça. Si full que ça. 42, Lelay. 42, c'est bien ça. Je repense à la salière qu'on a. Oh, c'est trop fort. Remonte le moral à tous les équipiers, leur redonne des PM. Bien ça, très très bien. Antoine, pour amener les gens à la vie, je crois que oui, je me rappelle plus. En vrai, je me rappelle plus du tout. Mais ça m'étonnerait pas. Ou alors je confonds avec toi, Marshall, je sais plus. Mais je crois que oui, hein. Oh, ce fat menton qu'il a. C'est un vrai sauna ici. Je suis bon pour essorer mes vêtements à la sortie. Je me sentirai peut-être mieux en les enlevant tout de suite d'ailleurs. Oh là là là, Marco, ne faites pas ça, nous sommes sur un stream public. Attention tout de même. En plus, il n'y a pas de témoin. Allez, zou et vive la liberté. Non, Marco. Ah, c'est vous? C'est moi, l'explorateur Marco. Drôle d'endroit pour une rencontre, pas vrai? Le hasard a fait décidément bien les choses. J'ai un conseil pour vous. La route secrète, le trésor caché. Telles étaient les paroles d'un célèbre explorateur. À la revoyure. La route secrète, le trésor caché. Donc, on trouvera une route secrète là. On trouvera un trésor caché là où il y a une route secrète ou inversement. Une route secrète sera cachée à un endroit où il y aura un trésor caché. Je sais pas, ça me saoule. On verra bien. Non, je veux pas faire de pause. Tu es fou le jeu, arrête. Tu es malade. Farod, vous achetez déjà une nouvelle tenue. Oh, des moustaches. Oh, des moustaches, con. Par contre, la tenue est horrible. Elle est pas belle du tout, la tenue. On dirait qu'il a des giga abdos, giga fat. Mais la moustache, oh la classe. Oh la giga classe. Alors, attaque et défense. 61-47. Alors lui, il aime pas, on compte pas. Oula, il a pas beaucoup, lui. Il a que 55 et 50 de défense. Oh, mais encore moins. Sauf qu'elle a beaucoup plus de défense, pour le coup. Après, Antoine, est-ce que vraiment il faut mettre l'attaque alors qu'il fait de la magie? Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas sûr. C'est qui vraiment qui est très... Là, j'ai l'impression qu'elle attaquait pas très fort, en vérité. J'ai envie de donner à Lelay juste pour voir si elle aime bien ou pas. L'a aimé. Ouais, elle attaque pas très fort. Et Antoine, peut-être? Il s'est régalé. Adios. On commence à avoir beaucoup trop de recrues et pas assez de choses à bouffer, par contre.
Et là, il faut vraiment qu'elle augmente de level, là. Ouh, elle est très en retard, Lélaï. Donc le trésor caché là-haut, c'est sûrement là où il y a la route secrète du coup. C'est parti. Le grand sage IDG est parti. Il me manque déjà, tu sais. Oh, tu t'en sortiras sans lui, ne t'en fais pas. Je suis là, moi. Je sais. C'est justement pour ça que le grand sage me manque. Je suis là. Je sais, c'est pour ça qu'il me manque. Quoi ? Bah t'as dit un truc super gentil, toi on dirait que tu l'as clashé, c'était bizarre non? Allez c'est parti! Donc je commence à charger. Oh putain! Il a pris cher à Antoine. Oh là là mais les deux! Oh là là il faut vraiment augmenter leur défense, c'est pas possible là. Ouais tu vois il attaque aussi Antoine, il a fait du 18, il a attaqué à la main. Oh le coup de grâce! Allez, vas-y, fais du méga mal. 124. Pfff. N'importe quoi. J'ai gagné un tour. Ah, mais parfait. Victoire. Oh, on connaît pas celui-là. Un truc de gobelin, mais violet. Elle est mal, Lélaï, j'ai l'impression. Nice. Ça, c'était fort, ça. Donc eux, ce qui est bien, c'est qu'ils récupèrent juste de leur vie. Ils attaquent pas trop, en fait. Ça leur arrive, des fois, d'attaquer, mais pas trop. Ils se soignent entre eux, c'est incroyable. Ah, bien, ça, le cheval. Ah non, c'est juste pour les pour ça. Je pensais qu'on allait attaquer ensemble et faire... on allait souffler du nez. Un de moins. Un de plus en moins. Bien joué ça. Propre. Ok, on va donner des sous... Enfin, de la vie. J'ai envie à chaque combat d'utiliser les... Oh, allez, vas-y, je le fais. Juste pour le plaisir. Il reste plus qu'un ennemi. Ah mais il reste, pardon. Voilà, 1854, on n'en parle plus, et puis c'est bon, quoi. Oh, Dieu. Oh mon Dieu, le nombre de dégâts. Ils vont mourir. Trop de caféine dans le sang, ils vont mourir, les pauvres. Oh, bien, des limonades. Cool. Encore un combat, mais c'est pas vrai. Oula, les bombes. Il a raté. Putain, il rate. Ça fait deux fois qu'il a raté cette attaque. C'est comme ça qu'il va attaquer en emmagasinant son pouvoir, il va faire ultra mal. Je fais ça pour pas qu'il mange un bonbon, une banane, évidemment. Par contre, personne les attaque au bout d'un moment ou c'est comment là? Voilà, c'est ça qu'on veut. Il va faire du, attention, du 242, mais on est où là? 200. Attends, je peux vous le redire. Mon perso a fait du 242. Je peux vous le redire encore une fois, s'il vous plaît, ça vous dérange pas. Il a fait du 242. C'est bon? C'est énorme. Du 242. Allô? Trop content, trop fier de lui. Voilà, il y a tellement de gens qui veulent s'acheter de nouveaux trucs, ça y est. Oh, c'est un cutter, putain. Ah, l'attaque va grave augmenter, c'est ce qu'il lui fallait. Ce cutter va très très bien avec son armure, je trouve. Oh que oui, elle est totalement assortie, gris et jaune là, avec un peu de marron pour les cheveux, ça, elle est parfaite. Oh mon Dieu, mais c'est moche. Et puis j'ai clairement pas assez par contre. Merci beaucoup à Spiria Fox qui vient à l'instant de sub prime pour la première fois de toute sa vie. Je te tapote la tête. Idem pour Seb Dark qui a sub en prime pour la première fois de sa vie à l'instant.
Bien vu. Et Locha qui reçoit pour ses 4 mois. Coucou Farod. Quel plaisir d'être au 4ème mois de Follow. Je veux savoir, est-ce que tu connais la série des Submachines? Point and click, assez cool. Eh bien non, je ne connais pas, désolé. Ça augmente l'attaque et tu as besoin d'attaque. Ah, écoute. Régale-toi si t'adores. Tu vas augmenter beaucoup très fort, toi. Attaque et vitesse. Ouais. Ah, t'en as besoin, Antoine. Quoique j'ai bien dit qu'elle en avait besoin, les Lay aussi. Augmente les PV. Je suis à 56. Elle est à 46. 49. 36. Pardon. 38. Ça, c'est pour faire passer le tout. Ça, c'est le dessert. 49, beaucoup trop, et 50. Allez, Lelay, ça va être tout pour toi, du coup. Augmente-toi tes petits PV. Ça augmente les PV, les PM. Mais justement, Lelay aussi, prends-le. Oh, elle a pas aimé. RIP. La magie, l'attaque et la défense. Allez, vas-y. Ah putain, elle a pas aimé. Dommage. Bon, ben, on va donner le dernier à G-Day. Avant que j'en ai vraiment besoin. Ah, je suis à 82 de défense, ça devrait le faire. G-Day, il a pas beaucoup de défense. Oh non, il a pas aimé non plus. Yeah. Bah, grave. Je baille. On va aller voir Squeeze. Ça va, Squeeze? Attendez, ne bougez pas. Comment ça je peux les prendre tous dans la même team? Qu'est-ce que ça voulu dire? Alors, il va falloir m'aider, le chat, hein. Vous êtes avec moi, je vous rappelle. Vous m'aidez. Ça va être très très dur. Observez bien les mi qui passent devant vous. Vous ne disposez que d'un seul essai. Ok. C'est parti. Let's go. Alors vas-y. Un elfe. Deux elfes. Il faut les compter. 3, 4, 5, 6. Par contre, il y avait combien d'elfes? Il y en avait 3 ou 4. Ah. Combien de personnes ont-elles baillé? Oula. Une. Putain. Waouh. Ok. Ben j'en avais vu une bailler, mais j'avais pas remarqué si un autre l'avait fait en fait. Donc bien joué. On a eu beaucoup de chance en fait. Mais ah oui, t'as raison, le jeu m'observe. Il m'a entendu bailler. Et du coup il a fait bailler. Oh là là, c'est ouf en fait ce qui se passe là, hein. Incroyable. Oh, il y a quelque chose par terre. Oh, bonbon, bien joué, Lelay. Trop forte. Attention, je vais rebailler. Ah, voilà, c'est bon, j'ai fini de bailler. La nuit tombe. Faisons un barbecue. Un barbecue. Oh, il mange du maïs, il mange des viandes, il mange un champi. Qui se dévoue pour le goûter? Lelay. Elle a adoré. Mais ça fait gagner rien du tout parce que tout le monde avait sa vie. C'est complètement con, je pensais que ça allait faire augmenter les stats, mais pas du tout. Et le matin arriva. Et personne n'a gardé la... Comment on dit déjà, garde... la garde. N'a fait la garde. 3 bananes PV, let's go. Monter, ah oui, monter. C'est ça le verbe que je cherchais. Je savais qu'il y avait un verbe un petit peu bizarre, mais ouais, c'est ça. Monter la garde. Parfait. Allez, Griffon, allez-y, battez-vous entre vous. 34-31. Il attaquait à la main, Antoine.
Elle n'a plus un seul PM en fait. C'est qui la garde? Bah je crois que c'est Christine, mais je suis pas sûr. Oh c'est rigolo, Christine la garde. Oh trop démarre, c'est ouf. Le cheval, bien le cheval, bien joué. Oh 79, tu régales. Palapapalapapapa. Ah mais qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, je devrais pas bosser toute la journée entière sur mes montages, ça me démonte pour le soir à chaque fois. Et après quand je termine le live, je suis plus fatigué et je repars pour continuer à monter la vidéo, c'est ouf. Une lettre. Cher Farod, ah c'est Clara, il faut regarder le sourire. Et voilà un petit cadeau pour vous y aider. Ticket sorti, merci Clara. Ah oui c'est vrai, je vais pouvoir plus, faudrait que je l'utilise à chaque fois quoi. Eh ouais mais gros, j'ai plus de sous, je suis désolé. Désolé mec, désolé. Ils sont pas liés d'amitié encore? Quoi? Pourquoi? Allez, va à la plage un petit coup. Il y a trop un ticket de jeu. C'est bien le ticket de jeu, c'est propre. Ok. À la belle étoile, on va y envoyer les filles là-bas. Il faut regarder le sourire, quoi? J'ai dit ça? Et je devais dire quoi à la base? Je ne sais pas avoir dit ça, non. Ah, c'est le faux Farod qui arrive. Oh non. Les giga problèmes. Le faux Farod est bientôt là. Préparez-vous. L'imposteur arrive. Vous le saurez. Ah, il faut garder le sourire, vous m'avez entendu dire regarder le sourire. Ah. Évidemment. Bien sûr. Vous êtes prêts? J'ai rebaillé. Combien de personnes, après ce bâillement, ont elles-mêmes baillé à cause de moi? Contact établi. Allô? Le contact a été établi, c'est bon. Oh putain, j'ai tellement de bouffe. Fantastique. PV et attaque. Elle a 47, il a 49, il est pas beaucoup. L'attaque aussi, il a pas beaucoup. Hein. Pourquoi elle a... Ah oui, non, oui, c'est vrai. Allez Antoine, c'est pour toi. Oh non! C'est pas vrai. PV attaque. Qui d'autre doit avoir des PV d'attaque? Ah bah oui, toi en fait. Complètement toi. Et on termine avec des PV justes. Avec ceux qui adorent. Eh bien, J-Day, je... Oh, je suis étonné, il a pas de PV lui en fait. Mais il a une défense... ouais, beaucoup plus intéressante. On va lui donner... De toute façon, c'est lui qui est dans le jeu actuellement, donc c'est à lui qu'on va lui donner. On n'a plus de vivre, je sais, je sais. Et dans les jeux, du coup, il y a quoi? Dagornar... Oh, il y a très peu de chances d'avoir un bonbon, et ça, j'aime bien. On va se régaler. Oh, putain, j'ai eu la dague en argent. Pour fêter ça, je coupe mon micro. Je suis de retour pour jouer un mauvais tour. Elle est stylée, cette dague. Elle va remplacer l'ancienne, qui commençait vraiment à devenir très très vieille et à ne plus trop marcher. Est-ce qu'on rejoue pas? Non. On jouera qu'il y aura une nouvelle arme, peut-être. Ça sera bien aussi. Au lieu de dépenser son argent. On se rapproche de plus en plus du château de l'avatar du mal. On se rapproche de l'Opoc. Ah mais on est déjà dans le château, autant pour moi. Ah,
Hein? Oula, mais c'est pas vrai là encore! Ça recommence? Vraiment? On est coupé en deux? Oh putain, oui. Mais où sont les autres? On ne peut rien faire pour eux, il faut continuer! Moi qui avais tellement augmenté les autres. L'équipe a été séparée en deux. Ah bah attends, il y a des hauts avec nous. Ah oui, on a séparé en 3 et 3 du coup. Oui, je continue à jouer, vous m'avez posé la question, il y a 10 minutes encore. Trop chiant. Ça va devenir ma chambre. Avec qui je suis pas assez lié d'amitié? Avec Antoine Daniel. Et on va mettre Deo. Et Askens dans la même chambre. Ouais, là. Vas-y, lance une pub au cra, bien joué. Je vais mettre de l'eau au visage. Je suis en train de piquer du nez, c'est nul. D'où je pique du nez sur Mythopia alors que c'est trop captivant? Qu'est-ce que c'est? Je vais aller taper une tête dans l'eau, d'accord? Et je reviens. A tout de suite. Je vais à la piscine. Allez, salut. Au revoir. Retour. Yo. Ah, ça va? C'est long? Ah oui, non, mais parce que je suis carrément allé sous la douche, en fait, et je me suis mis le pommeau de douche sur la tête, donc j'en ai profité pour même me mouiller les cheveux et tout ça, donc voilà, comme ça, on est bon, quoi. Allez, let's go. Non, je ne suis pas mort. Je suis le vrai Farod. Que personne ne panique, tout va bien. On est là, on est ensemble. Tout est bon. Alors, on va revoir un petit peu ce qu'il y a à la roulette. Ça se tente, hein. Il n'y a qu'une chance sur 4 d'avoir un truc nul, hein. Ça se tente, hein. Ah, j'ai eu le bâton. C'est quoi? C'est une arme pour qui, ça? Ah, Antoine! Parfait. Let's go. Oh putain, il est assorti à son costume de pingouin. C'est excellent, ça. Mais non, on va pas rejouer. Parce que j'en ai pas d'autres. Ah si, j'en ai deux encore.
Ah oui, on va rejouer alors, on va se faire des sous-sous. Faudrait que je retombe sur le bâton. On a une gelée baveuse, c'est pas mal non plus. On a 3. Ah ouais, d'accord. Allez, j'en joue. Oh non, le truc de trop. Non. C'est pas le faux, je vous dis que je suis le vrai, je vous le jure. Allez, croyez-moi un peu là. Merci beaucoup à Oscar Go, qui reste pour son 4e mois. Merci beaucoup. Très gentil ça. Eh mais c'est pas ma team! Il est où Mister Dudel? Il est où le Day? C'est tellement pas ma team. 49 de PV, 40 de PV, 50. Putain, il a pas beaucoup de PV, Antoine. Antoine, t'es une merde. T'as pas de PV du tout. Tu vas tous les prendre, je te le dis. Allez. À chaque fois que je t'en donne un, tu obtiens un PV. Ah, t'en as plus. Bah, on va juste le garder pour la prochaine fois, en fait. Allez-y, rejoignez la team, les enfants. Ah, maintenant, je comprends pourquoi vous me disiez que je vais pas pouvoir faire ma team de rêve, en fait. Tout simplement parce que... Parce que le jeu, il n'arrête pas de... On dirait World's End Club, là. Ils se séparent tout le temps, les gens. Oh! Ça fait peur, ici. Ah, ça fait giga peur, là. Les éclairs et tout à l'extérieur, l'ambiance verdâtre. Il fait si sombre ici, l'ambiance est sinistre. Ce château est effrayant. Ne t'inquiète pas, je suis là pour te soutenir. Je ferai face au danger à tes côtés. Oh, merci, Farod. You are the best. Oui, c'est vrai, plutôt, oui, effectivement. Poup, 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 poup. Où voulez-vous aller, droite, gauche? Moi, je suis quelqu'un de droite. Let's go! Enfin, je veux dire quelqu'un de droit. De droit dans la vie, qui a des principes, c'est ça que je voulais dire, non. Je voulais pas dire que je vote à droite, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Non, parce que... Non, parce qu'après il va... Non, ne me le faites pas dire. Non, je voulais... Vraiment, c'est pas ça que... Non! Oh non, les problèmes... Ah non, j'ai chaud, je vais devoir me remettre la tête sous l'eau tellement j'ai chaud, je suis... Non, j'ai pas dit ça, non. C'est pas vrai, Sarkozy, François Fillon... Non, Alain Juppé, non. C'est parti. C'est pas vrai, c'est pas moi. Je vous jure, j'étais pas là. Faut confondre avec quelqu'un d'autre. Oula, les problèmes. C'est qui me commence à me faire un peu mal, les copains, là. Allez, démonte-le. Juste avant que lui revienne. Redonne un peu de PV à tout le monde. Voilà. On garde les salières de folie pour plus tard, parce que là, il va juste faire giga mal, en fait, Farod. Oh, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est trop fort. Oh. Ah, il est toujours pas mort, hein. On lui a fait vachement mal. Voilà, il a pris le piège, c'est bon ça. Allez, toujours pas. Voilà, ça dégage. Oui, continuons, bien sûr, c'est une bonne idée ça. Ça sert à quoi de se bannir? Se bannir fait que tu ne pourras plus parler dans le chat pendant 5 minutes et tu te sentiras bien con. C'est cher payé, je sais. Dédiqué de jeu. C'est ça qu'on voulait. Ah, mais vu que je suis pas le vrai Farod, c'est bon, ça passe, j'ai le droit de dire ce que je veux. Hein? Alors ça va. Eh, hey, j'étais un peu déprimé là, qu'est-ce qui m'arrive. Merci, c'est gentil. Paf, paf. Trop fort cette attaque. Ça aussi, trop fort. Ils ont pris trop cher. Oh là là, mais... Guérison. Ah, ils avaient besoin de guérir. J'avais pas capté ça. Alors là, les problèmes, du coup. Oh non, quel gâchis, Farod. Nulos. Bien, allez, une dernière attaque et il meurt. Ok, une avant-dernière attaque et il meurt. Voilà. Parfait, une auberge. Trop cool.
Mais je suis le vrai Pharaoh, je suis revenu là, à l'instant. Oh! Qu'est-ce que... Ah, c'est moi. J'étais où? Je comprends pas, trop bizarre. Mais c'est moi, en tout cas, maintenant. Coucou, ça va, vous? Je suis revenu, ça y est. Ça augmente donc les PV, Antoine. Tu en as 1000 fois besoin. Bien joué, Antoine. Bien joué. Tu vas en reprendre un petit... Attends. Ah, j'en avais qu'un seul, ok. Ça augmente les PM et la magie. Ça tombe bien, il n'y a que toi qui prends ça, en fait, ici. Enfin, les PM, non, mais la magie, oui. C'est vrai, il n'y a que des mecs qui attaquent, ici. Lui, il n'a pas de magie, lui non plus. Oh, waouh, les boules, en fait. Blindage patchwork. Une potion elfique. Oh, ça se tente. Oh, nice, le blindage. C'est pour qui, ça? Ah, c'est pour Askens. Oh, il est trop beau. Oh, les super couleurs. Qu'est-ce que... J'ai... Oula. Oh, oh. J'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, pourquoi il l'a pas? Il y avait d'autres couleurs. Non, c'est la première qui se marie le mieux, je trouve. Il est trop beau, ce costume. Ok, on a un nouveau truc à bouffer. Ah non, c'est vrai, on en a pas besoin. Et non, on va garder pour plus tard. Non mais voilà, quand je dis que je suis de droite, en fait, c'est que je connais pas bien les expressions françaises, mais c'était pour dire que j'étais droitier, en fait. Évidemment, c'est ça, quand je pensais. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, bien sûr. Le château de l'Avatar du Mal est vraiment gigantesque. Je plains le personnel de ménage. C'est peut-être pour ça qu'il a volé tous ses visages. C'est pour passer la serpillière, ça n'a aucun sens. Mais oui, c'est la seule explication possible. Mais bien sûr. On les a rec, fais gaffe, Marod. Oh non, ne me faites pas du chantage maintenant, s'il vous plaît. Hey, c'est Docteur Who. Qu'est-ce qu'il fait là? Squeak. Oh oh. Oh oh, les problèmes. Oh oh. Oh putain. Bon, eh bien on va enlever le combat automatique, ça c'est certain. On va se régaler puisqu'on va foutre ça à tout le monde, ils vont être complètement... Ma boule. Et Bix accélère. Incroyable. Ah bah de toute façon, choix impossible. Donc juste autant y aller à fond, quoi. Oh, il a fait tellement mal. Oh là là, oh là là, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, 95, c'est trop fort. Oh, Antoine, il va faire tellement mal à partir de maintenant. C'est sûr. Parce qu'il est heureux, regarde. Il est fou et à la fois heureux. La prochaine fois qu'il attaque Antoine, il va exploser tout le monde, en fait. J'ai hâte qu'il attaque. Oh putain, il l'a démonté. Allez, on va donner ça à Askens un petit peu. C'est bon. Allez, Antoine, fais-le. Oh oui, et en plus, tu vas impressionner. Putain, c'est tout. Je m'attendais à 1000 fois mieux, putain. 104. 94. Ah, ils vont être liés d'amitié. Ils vont regagner leur PV. Ça, c'est bon, ça. Bien joué, Antoine. On va donner des PV à Déo. J'avoue que c'est dommage, dans ce mode-là, on peut pas savoir combien il lui reste de vie au méchant. Allez, 80, bien joué. Ah, ha! Mais vu que c'est moi le plus fort du groupe et qui fait les plus fortes attaques, est-ce que je me remettrai pas ça rien que sur moi? C'est reparti pour un tour. Voilà, du 109. Et ben voilà, il suffisait de le demander et c'était fini. Allez, Léo, tu peux aller retrouver ton visage, vas-y. Éclate-toi. Enfin, régale-toi plutôt. C'était fatigant, c'est ce qu'elle disait. Oh oui! Antoine Daniel a gagné un niveau.
Méga guérison redonne à un équipier beaucoup de PV par la magie d'une aura divine. Il va falloir beaucoup augmenter la magie d'Antoine et ses PM. Déo a gagné un niveau. Bravo. Oh, des démos protéines. C'était froid. Froid. Il était blanc l'écran. Léo, tu es venu me sauver. Oui, bien sûr, évidemment. Heureux que tu sois redevenu normal. Mes talents de scientifique sont à ton service, mais d'abord, je dois récupérer un petit peu. Ah, ok, il est parti à l'auberge. Il allait se coucher. Ouais, mais on va trouver une auberge de suite, là. Après un combat, on va pas tomber sur un autre combat, non? Ah, il y a un truc au sol. Un bonbon, bien joué. Ah, Léo, il est vite parti à l'auberge pour pas arrêter d'apprendre, en fait. Pipi, 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 pipi. Attribue une chambre à Léo. Ok, Léo. Léo, on va le lier d'amitié avec Déo. Ah merde, et Askens va le lier d'amitié avec Antoine. Et Farod, on va le lier d'amitié avec le je me suis gouré. Putain, je me suis gouré. Avec le cheval, bien sûr. Je me suis complètement gouré, c'est pas grave. J'ai juste perdu une nuit avec le cheval, mais c'est pas grave. Tout va bien. Alors, qui veut acheter un truc? Farod, évidemment. Ah d'accord, allez. Attends, et Déo, lui, il veut... Il veut un nouvel habit encore. Ça augmente quoi pour Déo? La défense. Et moi, ça m'augmente quoi? La défense aussi. 86. En fait, c'est moi le tank de l'équipe. Je suis trop fort. Et je veux continuer à être trop fort. Putain. 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 Ça a tellement la même couleur que mes chats, en fait. Oh là là, let's go. C'est la même tenue que mes propres chats. Et oui, t'as vu, Marshall? Trop mignon. La classe, la giga classe. Alors, l'attaque et la magie. Donc lui, il s'en fout, lui, il s'en fout. Lui, il en aurait bien besoin, il fait les deux. Surtout qu'il a pas beaucoup d'attaque. Après, en magie, il a 59. Antoine, il a 65. Alors Antoine, c'est ses PM qu'il faudra augmenter de ouf, par contre. Ah, Léo aussi, ses PM, il en a besoin. Allez, vas-y, régale-toi. Allez, c'est régalé, salut. Bien joué, Léo, bien joué. Ça augmente les PM et la magie, mais c'est parfait pour Antoine. C'est pile ce qu'il lui faut. Tu vas faire que en bouffer, je te le dis. En plus, t'adores ça. Et normalement, t'as plus faim, j'imagine. Et ouais. Et bien, on va le garder pour la prochaine fois. Ah, un ticket de jeu, c'est vrai. La blouse gonflette. Des pâtes sauce tomate. Allez, ça se tente. On va voir ce que ça donne. Nice, la blouse gonflette. Ok. Et ça, c'est pour Léo, évidemment. Elle est pas belle. Hein. Oh. Elle est pas... Oh là là. Mais... Oh, mais elle est horrible. Ouais, ça dégage. Ça m'a saoulé, ça dégage. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui vient de me demander à l'instant quand est-ce que tu vas. Je peux vous le prouver. C'était... Ouais, c'est écrit juste en haut, là. Quand est-ce que tu vas? Bah écoute, pas tout de suite, parce que je suis encore en train de... Mais juste après ça, je vais pouvoir rejouer, non. Et on va partir. Est-ce qu'on peut l'ajouter à la team? Je veux venir, oh non. Bah en fait, si Léo est trop fort, en fait, il est obligé, il vient, surtout qu'il est level 11. Donc on va prendre... Askan, c'est Léo, et on va enlever... Bah, Déo, je suis désolé. Et on va prendre... On va garder Antoine qui redonne de la vie. Il faut qu'on fasse monter de level encore Askans. Merci beaucoup à Lady Yuki. En plus d'être un pseudo plutôt mignon, tu as sub pour la toute première fois de ta vie. Donc je vais me permettre de te tapoter le front pour te remercier. Merci du coup. Pardon. Je me demande comment vont les autres. Et pendant ce temps-là... Ça ne sert à rien de rester ici. Continuons. Oui. Parle comme ça, les lives dans la vraie vie. Elle fait des petits bruits, elle fait... Ça va. Je te jure, c'est trop bizarre, mais après tu t'adaptes vite. J'ai faim. Des trucs comme ça. Non, je continue à jouer, arrête. C'est pas parce que je faillais m'endormir et que j'ai dû aller mettre de l'eau sur le visage que je... Ah, c'est bon, là. Ça suffit. Bon.
De la magie. Non, on avait dit qu'on le gardait pour Antoine. Antoine, il en a trop besoin. Et le jeu, peut-être un truc trop stylé. Oh putain. Je crois. Je crois que le jeu veut me faire gagner un certain truc. Oh, stylé, l'habit. Ah, le rouge, il rend tellement bien avec les cheveux. On va pas se mentir. Ah, le petit rose aussi. Oh, le petit rose, il fait un peu plus nuisette, tu me diras. Et le rouge, on est là. À l'attaque. Putain, elle devient de plus en plus classe, là. Et non, on s'arrête là. Et on s'en va. Voilà. Et évidemment qu'on la prend dans la team. Bien sûr. Oh là, mais ils vont trouver deux coffres sur leur chemin. Ils sont trop forts, en fait. Puisqu'il faut y aller. Zou. Zou, zou, zou. Oh putain, vu d'ici, JD, il a une sale tête. Oh, il y a un truc. Ah non, mais c'est qu'il avait déjà une sale tête de base. Fais un peu attention. Parle pour toi. Mais... quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Eh? Pardon pour tout à l'heure. JD refuse de s'excuser. Tant pis pour toi. Oh oh. Oh oh, les problèmes. C'est encore pire. Mais pourquoi ils font ça? Subitement. Ils viennent juste de se connaître à l'instant. Après on s'en fout, JD il a une attaque qui permet de calmer les gens énervés. Pas gentil JD qui refuse les excuses de quelqu'un. Ouh, il a une... il y a une fourche en or, ça c'est stylé ça. Oula, ça fait très mal ça. Mais elle peut faire pareil, allo Pocute. Eh oui. Allez, c'est reparti pour un tour. ...49 c'est bien. C'est bien mais c'est pas assez encore. Ça c'est bien. Toujours pas mort. Ça aille. Dans les dents. Bien joué. Bien dit. Alors, on va arriver à un coffre, c'est ça? Oh, elle a le hockey. Non, on va l'ignorer. Trop mignon. Et trop triste à la fois. Où voulez-vous aller? Allez, on va aller à droite maintenant. Non, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Pardon. Oh, je suis pas très impressionnant, ça par contre. Du coup, c'est Farod dedans. Oui, c'est Farod ce soir, bien sûr. Personne veut rien acheter, d'accord. Qui veut manger? On a quoi? Eh, mais on a dit qu'on le gardait pour Antoine. Elle a pas besoin de magie, elle. Lui, je me souviens plus. Bah, je sais pas si ça dépend si ces chansons c'est de la magie ou pas en fait. C'est de la magie ces chansons? Ajiday ou pas? Eh ouais, je crois que c'est de la magie. Elle a 27 seulement. Elle a 23 seulement. Oh là là. Et lui, il a 30. Chanteur, c'est un peu hybride. Bah, c'est un peu chelou, ouais, chanteur. Hein. J'en sais rien. Oh, elle a 62 magies. On va garder tout ça pour Antoine. Il en a grave plus besoin. Peut-être une relation d'amitié entre Lelei et lui. Ah, mais on n'était pas encore passé au coffre. Et je vais à gauche. Et évidemment, bien sûr, moi je vais toujours à gauche, bien sûr. Elle a dit quoi? Mes chiens me manquent. Elle parlait de l'opoque, non? L'opoque, le gros chien. Tu as les yeux rivés sur moi, il y a quelque chose qui cloche? Oui. Elle va lui mettre une grosse claque. Il y avait un fil qui dépassait de ton vêtement. Oh, merci. Ah d'accord, bah c'est super gentil en fait. Farod est de gauche. Oh non,
ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, je suis pas de gauche. Arrêtez, je suis pas socialiste, moi. Non. François Hollande, non. François Bayrou, non. Ouvrir le coffre, non. Philippe Poutou, non. Jean-Luc Mélenchon, non. Ah oh, c'était un piège. Il y avait un autre de gauche, putain, j'arrive plus à voir son nom. Putain, il y avait un autre mec de gauche là, celui qui s'était présenté aux dernières élections. Je sais plus comment il s'appelle, qui représentait les socialistes. Qui avait, je crois qu'il avait, même fait moins de 5%. Comment il s'appelait? Oh non, je peux pas compter le live tant que je sais pas comment il s'appelle. Benoît Hamon? Oh putain, son nom va pas sur sa tête, je sais plus si c'était lui. C'est fou si je pense à lui, mais je me rappelais même plus qu'il s'appelait comme ça. Ce bon vieux Benoît. Ah oui, c'est lui, Benoît Hamon. Oh mon dieu, je me souvenais plus qu'il s'appelait comme ça. C'est ouf. Putain, on oublie tout, hein. C'est bien ça, JD, c'est bien, tu fais ça bien. Elle est bien cette classe de JD, rien que pour ça. On l'oublie vite, hein. Parce que moi, en étant princesse, je pouvais le faire, mais maintenant que je suis redevenu un chat, je ne peux plus le faire. Mais ça, par contre, ça ne sert à rien. Alors, il faut savoir... Ah, quelqu'un dans le chat a dit Farod pour interrogation. Oui, je suis là, je t'écoute, dis-moi. Nous t'écoutons tous, pose ta question. Alors, il faut savoir quoi? Mais je vais le dire, attendez, oh! Ah, ça va? Ben voilà, ben je le dis pas. Voilà, ça vous apprendra à essayer de... Allez, ben je parle plus, salut. Ouais, saoulé là. Non, c'est bon, je le dirai pas, là. Armure en laine, ouais, on le veut, ça. Oula, on était pas loin du steak de golem. Ouais, pourquoi pas? C'est pour Lelei. Lelei. Est-ce qu'elle choisirait de changer sa tenue pour... En vrai, ça lui va bien, je trouve. Tiens, Lelei, elle est plus là. Elle peut plus donner son avis. Ah, j'hésite beaucoup, je trouve. Après, c'est de la laine. C'est pas très résistant, la laine en soi. Surtout dans un volcan, la laine... Donc, je disais... Il faut savoir que... Knut Shepard, qui est modératrice dans le chat avec un pseudo jeune fluo, vous modère, mais n'a pas le son du live. Elle ne m'écoute pas, elle ne me voit pas. J'aimerais qu'on lui fasse une petite surprise et qu'on lui dise tous dans le chat « On t'aime, Knut ». Si vous pouvez l'écrire juste maintenant, là, « On t'aime, Knut », avec des cœurs, sans cœur, comme vous voulez. Ça lui ferait trop plaisir, je pense que ça va la surprendre. Une bonne vague de « On t'aime, Knut », juste comme ça. Voilà, ça c'est beau, ça. Ça, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs quand vous jouez le jeu comme ça. Putain, et en plus on sait même... Et voilà. Il y a eu des points d'interrogation, elle a fait... elle a fait quoi? Quoi? Et là elle est en mode... Oula, 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 qu'est-ce qui se passe? Oula, oula. le stress. Il a dit quoi encore? Et là, Knut est en train de se dire, putain, il a dû m'insulter de ouf. Et il essaye de se rattraper maintenant parce qu'il a vraiment dû dire la pire chose de sa vie. Alors que pas du tout. Je voulais juste être gentil, moi, à la base. Allez, c'est bon. On peut s'arrêter sur les on t'aime, Knut. On revient au chat normal. Armure en laine, je suis content de l'avoir récupéré. On va pouvoir la vendre, du coup. Et se faire des... Ah, pas tant de sous que ça, en fait. Je m'attendais à un peu plus. Tout, 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 tout. Rejouer et non, du coup. Donner à manger, peut-être. Ah, oula, oula. Elle est pour personne, du coup. Parce qu'elle n'a pas du tout besoin de la défense et de l'attaque, en vérité. Et on continue, toujours ensemble, on est bon. Hein. Yes, let's go. J'espère qu'on pourra revenir en arrière, hein, par contre. Hein. Oui, l'armure que j'ai vendue, c'était un double, tout à fait. Je crois. Non? Attends. C'était pas l'armure de Lelei que j'ai récupérée une deuxième fois, là? Mister G, il est de droite. Ça, je suis au courant. Et voilà, tu vois, je t'avais dit. Ah si, c'est ça, c'était la même armure. Ah, ok, ok. J'ai eu peur.
Ok, parce que c'est vrai que là d'un coup j'ai eu un flash de je la voyais jeune et je me suis dit oula, quoi? Je. Hein? Comment? Ah oui, j'ai crash son live, la pauvre. Marshall! Oh! C'est vrai qu'elle est toute petite! Bon, Oh, Marshall dans un tableau de l'avatar du mal. C'est génial! Ah, bien joué! Putain, bien joué! C'est propre ça! Et maintenant que t'as fait ça, alors là, on va l'exploser de fou! Tu dis que ça accélère, t'as compris ce qui va se passer. Oula! Je prépare la salière. Elle va le démonter, elle va le démonter. Non, elle a juste encaissé, ok. Ok. Allez, démontez-le. C'est pas mal. C'est pas fou, mais c'est pas mal. C'est... Ouais, ça c'est... C'est ça qu'on veut, tu viens à peine de mettre le double en fait. Oui. Oh, c'est bon ça. Oh là là, c'est bon. Ça régale. Et le Pokéout, elle attaque un peu ou pas là? Nice. C'est bien. Allez, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est vous que tu sois un dessin. Putain, j'avoue, Marshall, t'es un dessin, le jeu trop RP encore une fois. Qu'est-ce qui se passe? Allez, relance. Oh, 94, oh là là. Ah oui, c'est vrai qu'on lui faisait plus mal que de base. Mais là, il est redevenu normal. On va lui donner une giga potion, évidemment, tu connais. C'est peut-être que ça leur fout à chaque fois. C'est trop rigolo, ce jeu. J'aime trop. JD est redevenu normal. Mais il va rester comme ça, JD. On va donner la salière à l'Opocute qui fait beaucoup plus mal. J'avais pas besoin de faire ça. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va le démonter. Attention. En 175. Putain, mais c'est fou. On n'a même pas eu le temps d'utiliser toutes les salières. C'est incroyable. Trop mignon le visage. Merci beaucoup à un plot gamer qui a sub en Prime pour la première fois de toute sa vie. Nous te souhaitons la bienvenue dans le chat. Bienvenue. J'espère que tu vas bien. Il a chopé 5 PV en plus. On va faire monter les lay en plus, je crois, non? Oh, presque! Dommage. Un biscuit d'art. Ouais, Marshall. Ouais. Let's go. Ouais. Elle va pouvoir healer. Où suis-je? Je me rappelle que l'avatar du mal m'a amené ici. Et puis plus rien. Tous mes souvenirs sont brouillés. Je crois que j'ai grand besoin de repos. Et c'est barré. Elle fait « Salut, je me casse !» J'espère qu'elle va bien. « Salut ! Salut les nulos !» Courir, c'est la vie. Pas sûr, hein. Non. Allez, vas-y, creuse. Oh, il a rien du tout. Creuse, encore. Vas-y. Oh, il a abandonné. Bon, je lui dis « Vas-y, fonce, parce qu'on a des salières, nous, on s'en fout. » Marshall, on va la mettre avec l'opo cute. Poudout. Non! TG! Ah, il se passe un truc. Ils sont trop potes. 4-4. Eh non, en fait, Marshall, on va la mettre avec Lelei. Elles iront trop bien ensemble, toutes les deux. Parfait. Effectivement, elles vont trop bien ensemble. Qui veut des sous? Toi, tu veux des sous? Encore une nouvelle armure? Pour la défense, t'as pas le temps. Let's go. La défense qui en prend un coup. Et non. À moins que... Eh bien non. Tu vas garder ton truc d'avant. C'est bon, mon PC est finalement redevenu à son état normal. Vous êtes trop chou, merci, je vous aime. Oh, Knut Shepard. Trop mignonne, trop gentille. Pas très intéressant. Non. Pas très très intéressant aujourd'hui. On va donner à manger un petit peu aux gens. Alors, des PM et de la magie. Marshall, elle en a besoin de la magie, si je dis pas de bêtises, puisqu'elle fait des trucs de magie et elle donne de la vie aux gens, n'est-ce pas? Je crois. PV et PM. Alors attention.
Oh putain, t'en as besoin. Oh là là, t'en as besoin. T'en as grave besoin. T'as que 47 de points de vie. Waouh, mais t'as rien, Lele, en fait. T'as une méga attaque, mais t'as rien en vie. Et ça augmente l'attaque et la défense. T'as une défense de 37 seulement. Oula, 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 tu vas prendre, tu vas prendre. Prends, prends, prends. Eh ben voilà, parfait. L'ennemi relax abandonne souvent. Ah ouais, d'accord. Ah putain, mais en fait, il y a des strats, il y a des trucs qu'il faut pas donner, en fait. Et on prend Marshall dans le groupe, évidemment. Elle est level 9 avec JD, putain, c'est ouf. Elle a tellement pas le temps. Et on va aller rejoindre le petit Fafa. Oh! Tiens donc! Bon, JD! Vous êtes là, vous! Je suis content de vous voir en un seul morceau. L'équipe est à nouveau au complet. Ah ouais? Il y a tout le monde là? Il manque pas une personne? Vous êtes sûr? Ah non, il y a vraiment tout le monde. Allez, le rompuis Cham. Et là, tout le monde va vouloir acheter des trucs. Moi, il est saoulé. 1900, j'ai pas assez, mec. Oh! Trop stylé. Défense de 38 à 42. Ben, let's go. Tiens, Marshall, toi qui voulais justement un nouvel habit. T'es pas trop contente, là? Horrible. À la limite, là, ça peut faire tomate. Mais là, c'est horrible. Oh, c'est... oh là là, c'est pas beau. Quelle couleur tu veux, Marshall? Beige, orange, blanc, vert pâle, vert flash, marron, bleu. Oh, c'est stylé, bleu. Et rouge. Quelle couleur veux-tu? Ou sinon, tu peux garder ton truc d'avant, hein. Mais avant, bon, c'est pas ouf non plus, quoi. Elle veut le bleu. Tu as bien raison. Tu as fait le bon choix. Est-ce que tu veux garder le chapeau ou je t'enlève le chapeau? J'ai plus de sous, les gars. J'ai plus de sous, en fait, les gars. Laisse tomber. Mais en fait, on va prendre Marshall maintenant à la place de Antoine. Elle a des meilleures stats. Enfin, pas des meilleures stats, en fait. Oh non, pas du tout. Mais absolument pas, en fait. En termes de stats, elle est giga nulle. Oh non. Oh non. Mais après, mais pourquoi je préférais... je vous disais, je préfère Marshall qu'Antoine Daniel. Elle avait des trucs en plus, Marshall, mais c'était quoi? Elle avait des grosses attaques, non? C'était quoi, les attaques? Bon, dans tous les cas, on va la faire monter, elle. Vous n'avez plus de vivre. Ok, un petit jeu vite fait pour voir. Ah, il est plus au level. Ah oui, il faut t'augmenter de level. Non, trop risqué. Au revoir. Faut que tu l'engraisses. Oui, t'inquiète. On va prendre ceux qui ont le moins de level possible. Ah oui, effectivement, niveau 10, ça va pas du tout, ça. Léo et Lelei. Bah, parfait. La team de ouf. Oh, nickel. Ah, tu m'as donné le chapeau, pardon. Je l'ai pas vu, je crois, en fait. Qu'est-ce que... quoi? Ah, ça rejoint, en fait. Oh, énorme, je peux faire le tour. Un peu la flemme d'aller chercher les coffres, non? Ouais, oui, non, oui, non. Allez, oui, on a le temps devant nous. Un coffre! Avec un combat à l'intérieur. Parfait. Non, mais là, c'est pour les XP un peu que je fais ça. Parce qu'ils ont tous besoin d'avoir beaucoup d'XP pour le coup. Alors, ah oui, je suis pas en automatique. Affûtage de griffes. Ouais, affûtage de griffes, c'est pas mal ça. Et au même moment. Ah putain, j'aurais dû donner la salière juste avant. Crac, qu'est-ce qui fait mal, Déo? Pardon, Léo, je veux dire. Non, je me suis trompé, pardon. Nice. Oula. Oula, qu'est-ce qu'il fait, une nouvelle technique? Qu'est-ce qu'il fait? Il me protège. Masque de protection. Ah, oh, le boss. Il m'a protégé de ouf du changement d'état. Et si jamais je débloque le cheval, est-ce que la méga attaque du cheval est pas super forte avec la classe chat, du coup? Vas-y, impressionne-moi. Oh, je suis très impressionné.
Et voilà, c'est ça que je voulais dire, elle est forte, Marshall. C'était un masque anti-Covid. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Je vais faire des courbatures demain. C'est ce qu'elle disait. Bravo, nouveau level. Ben voilà, Marshall. Plus 4 en PV, plus 3 en PM, en vitesse, en défense, en magie, en attaque. Et les lay. Ah, yes, les PV, c'est bon pour toi, ça. Taillade vrillée. Touche tous les ennemis avec un large coup d'épée tournoyant. Eh, hey, c'est parfait. Il te manquait cette attaque dans ton arsenal. C'est bien, ça. C'est très, très bien. Oh, 1800. On est à 3000 piles. Let's go. T'as 3000 piles, piles, piles. Tous ces coffres, c'est merveilleux. La salle au trésor, nous l'avons trouvée. Premier arrivé, premier servi. Alors ça... Alors ça c'est pour moi, ça aussi, ça aussi. Hé hey, tu m'en laisses un peu, oui? Non, c'est tout à moi. Je vais sécuriser ma part pendant que ces deux-là se disputent. Oh déjà, c'était rapide. Le cheval, niveau 29. Au prochain level, on va les exploser. Il veut voir ma chambre, Antoine. Je le comprends parfaitement. C'est normal. Tout le monde veut voir ma chambre. Et maintenant, je vais limiter Lelei. Je veux voir ça. Attention. Nick Tartin. Waouh. Tu le fais trop bien. Antoine est trop heureux. Et je retourne avec le cheval. Alors, on va lier des amitiés avec des gens. Alors, Antoine, Mister, JD, c'est sûr. Marshall et Lelei, c'est sûr. Léo et Déo, c'est sûr. Et par contre, eux, c'est Nicky, ils sont déjà potes. Léo et Lopocute, non plus. Léo et Askens. Lopocute et Déo. Ah merde, on peut pas tout faire, je crois. Et si je fais ça? Et ils sont déjà potes. Et Marshall, elle est pas pote avec Déo. Le truc, c'est qu'elle est un peu pote avec tout le monde. Ah, ils sont bien, bien potes, eux deux aussi. Ah, c'est compliqué. Avec. Ouais. Et Antoine avec Lelei. Ça passe. Ok, c'est bon. Waouh, on a réussi. Bien joué. Tout le monde veut des nouveaux trucs. Léo. Léo, Léo, Léo. Je te privilégie parce que tu seras dans ma team à la fin. Tu le sais, finalement. Il a acheté une blouse métallique. Oh, elle est très stylée, cette blouse. Oh! Elle est incroyablement classe, cette blouse. Oh! Oh, 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 deux secondes. Elle est pas giga classe? Ok, ça, c'était cool. Mais la blouse, ça le rend tellement en mode... En mode... Waouh! Tu vois ce que je veux dire? Ça fait radioactif. Ah non, moi j'aurais plus vu un mec qui fait fondre des métaux et... je sais plus comment ça s'appelle, un mec qui fait des épées et tout. Ah, j'hésite entre le blanc et le noir. Ah, le noir est stylé en vrai. Un forgeron, c'est exactement ça le mot que je cherchais, merci. Eh ben écoute, ouais. Léo sera forgeron à partir de maintenant. C'est trop classe. Très content. Et je n'ai pas assez... Oh mon dieu, mais c'est horrible, c'est pas beau. Il y avait les pecs qui ressortaient là. Oh, tige de prêle. Sachimeter. Oh, il y a des sachimeter. Une tige de prêle, c'est pour qui ça? Ah, c'est pour Marshall. Eh bien oui. Elle augmente quoi? Oh, l'attaque et la magie. C'est ce qu'il lui fallait. Par contre, je suis désolé, tu vas juste garder ça parce que c'était trop magnifique. Petite paire de couilles là. Let's go. Rejouer? Non. J'ai plus de tickets, désolé. Ah oui, alors du coup, on va t'enlever le chapeau, Marshall, c'est vrai. Effectivement. Il y a du monde dans l'équipe là. Oups là, ça me gratte le bras. Aïe, vite. Aïe, le vaccin. Voilà. Ah, mais c'est assorti à ton arbre en plus. L'habit, c'est joli. Ok. Et à bouffer. Ça augmente de ouf la magie. Lui la magie s'en fout. Elle la magie elle s'en fout. Lui s'en fout un peu pas trop mais pas tant que ça. Lui il aime pas. Lui il déteste. Elle aime pas. Elle en mange et elle en a besoin.
Lui, la magie, on sait pas trop, c'est polyvalent. Lui, il s'en fout. Donc, entre Marshall et G-Day. Allez, Marshall, c'est pour toi. Putain, t'es la favorite, là, ce soir, Marshall. Tu prends tout. Et on s'en va. Voilà, voilà. Merci beaucoup à Shewimeli. Shewimeli qui a resub pour ses, écoutez bien, pour ses 9 mois. 9 mois, vous entendez? C'est le bruit du bébé qui vient de sortir de son ventre. 9 mois, félicitations. Alors, quelle team faisons-nous là maintenant? On va enlever tout le monde. Oh, c'est compliqué. On va prendre ceux qui ont le moins de level, encore une fois. Donc, Marshall toujours, Léo toujours. Et quelqu'un niveau 12. Entre eux tous. Bah attends, ça dépend. On a un mec qui attaque fort, on a quelqu'un qui heal. Moi-même, j'attaque fort. Donc, Lelei, pour l'instant, on n'en a pas forcément besoin. On va plutôt prendre JD. Quoi, il y a eu du spoil? On ne spoil pas dans le chat, s'il vous plaît, sinon c'est ban. C'est ban, c'est adios, c'est au revoir. C'est adieu. Si quelqu'un spoil, n'hésitez pas à le signaler dans le chat à un modérateur ou une modératrice, évidemment. Allez, on va monter un peu plus de level là-bas. Vous faites arrobase Knut ou arrobase Okramera. Je crois qu'il n'y a que eux deux ce soir. Et c'était un piège! Et vous leur dites, là, il y a un spoil, c'est lui, regardez, vous faites arrobase la personne qui a spoil. Oh. Le cheval. Est-ce que ce serait pas l'occasion d'utiliser la chevauchée pour une fois et voir à quel point elle est forte ou nulle? Avec la classe chat, bien sûr. Miaou. Miaou. Chevauchée féline. Je sens que je vais être déçu. Ah. Pas mal. Pas mal, j'ai pas su bien compter combien ça faisait, ça a dû faire du 130, 140, 150 peut-être même. Mais pas mal du tout. J'aurais peut-être dû me mettre le... Comment le... La potion puissance plus là pour voir à quel point on fait mal. Allez vas-y, démonte-le. Oh oui parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Ouais on est juste trop fort quoi, voilà. C'est la victoire quoi, voilà. Ah parfait niveau level. Je l'ai dit très vite, j'avais dit nouveau level, vous l'avez pas entendu, c'est normal. On va aller en haut. Oh non, putain, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je suis pas un mec qui vote en haut, non. Je suis pas un outil. Ah non, putain, oulala, j'ai failli dire un mot sans faire exprès. Oh putain. Oh, j'ai failli déraper sans faire exprès, et sans vouloir, sans blague, pour le coup. Ah, oh, c'est ouf, comment ça m'a pris par surprise. Heureusement, il y a les motons de lit. Ouf. Allez à droite évidemment. Et je suis tombé sur un bonbon. Mais parfait. Oui forcément. Un mec de droite, un droitiste. Un mec de gauche, un gauchiste. Et je me suis... Putain je me suis moi-même feinté. C'est assez ouf en fait comme sensation. Trop bizarre. Il m'a juste buté hein. Ça va pour vous? Il m'a fait 999. Tout va bien. Et on l'a démonté, parfait. Heureusement, mon cerveau elle est plus vite que ma langue. Mais je crois même que si on pouvait le clipper, vous pouvez couper juste avant que je me rattrape. Faites le même... faites le même de... moi dans un carré blanc avec plein de points d'interrogation en bas, juste au moment où je m'arrête dans ma voix. Ça passera très très bien. Oh, le faites pas, après je vais avoir des problèmes, le faites pas. S'il n'y a pas de contexte, je vais avoir des problèmes. Ouais, j'aurais dû dire un upiste. Non! Oula, tout le monde veut des trucs. Calmez-vous, on n'en aura pas assez pour tout le monde. Gâteau du diable. Oh, PM plus magie. Non, non, non. Oui. 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 Non, non. J'hésite entre Léo et Antoine. Oh putain, Léo, il a pas beaucoup. Allez, Léo, ça fait longtemps qu'on t'a rien donné.
presque dommage. Allez, là, tout le monde en raffole. Eh bien, éclatez-vous. Antoine, je t'avais dit que toi, on allait t'augmenter de ouf à chaque fois dès qu'on pouvait. Et on sait pas si tu aimes. Ok, parfait. Bon, c'est compliqué là. Oh, 2005, t'es ouf, mec. 2005, oh là là, les problèmes. 2002, oh! Elle est belle cette. Ce Mysterio. Oh, l'épée, elle est magnifique. J'aurais tellement voulu lui payer. Malheureusement, je peux rien faire. J'ai juste pas assez de sous. On continue avec les mêmes, on est d'accord. Niveau 11, toujours niveau 11. Ah, Jidai niveau 12. Mais il était déjà niveau 12 en fait tout à l'heure, ça ne change rien en fait. Allez, le coffre. Et c'est parti. Oui, on l'ouvre. Voilà, là on pourra acheter l'épée à l'LA. L'épée de folie. L'épée trop stylée. Oula, très gros coffre. Oh, ma défense, elle est tellement hot. Je suis trop classe, en fait. Excusez-moi, mais je suis trop BG. Un petit bleu. Ouais, un petit bleu. Oh, waouh, la grande classe. Alors, il se passe quoi, là-bas? Tu viens d'habiller. Oh, Déo a acheté un cadeau. Qui est gentil. C'est pour toi, j'ai un cadeau. Tu prends le cadeau. Déo a porté un cadeau pour Marshall. Qui va être jaloux? Vous avez 15 secondes pour savoir qui va être jaloux. Oh, une lyre, c'est super sympa. Ah ouais. Ah ouais. Marshall est contente. Ah ouais. Allez, là. Parfait. Putain, trop sympa. Farod a tout observé. Lui aussi a apprécié ses idéaux. Il n'y a que pour Marshall, hein, c'est pas juste Kong. Farod est jaloux de Marshall. Il est en colère. Mais quoi? Je suis pas un mec jaloux, moi. Trop bizarre. Et du coup, là, plus personne veut rien s'acheter. Ça y est. Ouf. Ah, quoi que ça coûte pas très cher, tu me diras. Ça lui augmente quoi? La défense. Putain, elle n'en a pas besoin. Et toi, ça t'augmente quoi? La défense. Allez, on va te l'offrir. Putain, ce soir, t'es l'enfant gâté, Marshall. J'imagine que tu ne veux... Enfin, tu veux peut-être... Tu as envie d'une tenue type Père Noël. J'avoue que le costume est pas mal, en vrai. Petit costume Père Noël, comme ça. Couleur en particulier, peut-être, Marshall. Dis-nous tout. Est-ce que t'es encore là, Marshall, en fait? Est-ce que je parle dans le vide? Enfin, tous les attentes, c'est la défense. Et oui, mais... Vas-y, je fais genre... je savais pas. Évidemment, on va t'enlever le chapeau parce que c'est dégueulasse. Allez. C'est là. C'est là. Changer. Voilà, c'est là. Et c'est. Là. Ouais, très mignonne. Ah, c'est pas le mont violet, tu m'as dit violet. C'est le bleu en fait. Ah, bah toi aussi, tu fais pas d'effort. D'où tu dis bleu quand c'est. Tu dis violet quand c'est bleu. Allez, salut. Tant pis, hein, tu peux te reprendre qu'à toi-même. Hein. Tant pis, adieu, bye bye. Pas grave. Une autre fois. En plus, là, on va pas te changer de vêtements avant bien longtemps, vu que t'en as eu plein. Tu vas devoir garder ce violet dégueulasse, là. Peut-être même jusqu'à la fin du jeu, tu te rends compte. J'ai envie de dire... chais, en fait. Allez. À droite, évidemment. On est là. Merci beaucoup à Capitaine Smash. Très stylé comme pseudo. Et en plus d'être très stylé, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Marshall, qu'est-ce que tu fais, le cheval, là, hein? Il reste, qu'est-ce qu'il a, pile poil? Il reste où, là, Marshall, aujourd'hui? Et je me demande pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai une carotte dans la poche. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Capitaine Smash, pour ton sub en tier 1 pour la première fois de toute ta vie. Je vais te tapoter la tête. Je vais même te tapoter la tête très fort. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Un coffre.
Nice, des sous-sous. C'est bon ça. T'as quoi dans la poche, Marshall? Elle a une énorme carotte, elle a dit. C'est bon pour vous? Ça va? Je dois le faire. Non, je te l'interdis. Tu n'oseras jamais. Je ne peux plus lutter contre mes instincts, JD. Stop, malheureux! Je sens un irrépressible désir monter en moi. Je dois me libérer de mes chaînes. Par le pouvoir de la danse! Fou! Je me sens déjà mieux. C'est possible de mourir de honte passive parce que là, j'en suis pas loin. Bon, ça va. Il a juste fait un TikTok. C'est bon, calmez-vous. C'est 2020. C'est normal. Oula! Ils ont pas l'air très commodes. Alors, on avait dit... Est-ce que je peux... Ah non, mais le cheval, il est pas là, en fait. Ils ont l'air très méchants. Donc, du coup, s'ils sont très méchants, vous savez ce qu'on va faire. On va t'exciter tout le monde, là. Il va être très très chaud du cul. C'est parti, ils vont taper tout le monde. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça rigole pas, ici. Je pensais qu'ils étaient ultra costauds, mais en fait, pas du tout. Vas-y, JD. Coup de grâce. Parfait. Ah oui, on a été juste trop puissant. Excusez-nous. On est trop fort. Ouais, ouais, 2020, effectivement, oui. Pourquoi vous êtes en quelle année, vous? Vous avez changé? Vous êtes resté en 2017? Vous êtes passé en 2022? Ah, c'est pour ça que vous me parlez autant de politique. Je comprends mieux. XP, XP, XP. Oh, Marshall, t'en as tellement besoin, t'es si loin. Non, mais moi, depuis qu'il y a le Covid, j'ai arrêté, en fait. J'ai arrêté de compter. Je me suis arrêté là-bas et je reprendrai que quand ça... Oh! Quand il n'y aura plus le Covid, je dirai, c'est bon, nous sommes en mars 2020. On reprend là où on s'est arrêté. On repart. Pareil pour les anniversaires, tout ça. Hein. J'ai pas pris une année ni rien. Niveau 30, complicité évidente. La sieste équine augmente les chances de réussite et il vole. Et l'efficacité de la sieste équine. D'accord. Mais il vole surtout, c'est ça le truc. Alors, qui veut quoi? Qui veut un truc? Oh, 2000... Oh non, mais il était trop beau, celui que j'ai... Non, mais de toute façon, c'est bon, j'en ai pas besoin, c'est abusé. Oh, c'est stylé, ça. Mais il n'en a pas besoin. Askans, on ne le joue pas actuellement. Antoine, non plus, on ne joue pas actuellement. Oh, c'est pas dégueu. Ah, l'attaque et la magie... Allez, ça augmente de beaucoup. Allez, vas-y, je lui offre. Ça augmente vraiment de beaucoup, beaucoup. Et Ah, celle-là, elle a sorti, mais celle-là, elle est très classe, quand même. Et puis, c'est bien, le changement, aussi, de temps en temps. Et de la bouffe, peut-être? Oui, pour ces messieurs et ces madames. PV attaque. Et là aussi, PV attaque, ok. Donc, celui-là va augmenter beaucoup. PV et attaque. Alors, regardez surtout les PV. Elle est à 53. Je suis à beaucoup trop. Il est à 52 ? 52 ? Oula, pas beaucoup ça. Il est à 39 de PV, quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais on est où là ? What, Léo ? Mais t'as un problème ! Ah putain, tu fais chier, Léo. Faut que tu prennes, hein. Léo, faut que tu prennes des PV là. Il veut plus, il n'en veut plus, d'accord. Beaucoup, 49, 50, 59. Ok, donc moi je suis à 59 aussi. 53, 52. Bah finalement, t'es pas beaucoup en fait. T'es à 45. Allez, on t'augmente. T'as trouvé ça bon, bravo. Dans l'équipement, tu peux changer la couleur. Ah oui, pour la couleur de Marshall, pour qu'elle soit plus en violet. Oui, t'as raison, on peut faire ça, ouais. Allez, on y va. Let's go. Merci beaucoup à Sabripa qui arrive pour ses 11 mois. Merci, Sabripa. Trop gentil. Et on est reparti pour augmenter les levels de tout le monde. Je suis un peu nul en bruitage aujourd'hui. Allez, vas-y, régale-toi. Fais-toi en mode automatique.
Ah putain, elle se fait ban par le bot, merde. Est-ce que si je la... Est-ce que si je te mets en VIP, Marshall, tu seras aussi ban par le bot ou pas? Ça, j'en ai aucune idée. Faut test. Attends, mais tu m'entends, Knut, parler? C'est possible, ça? C'est possible dans cette réalité que tu m'entends parler, là? Vraiment? Oui? Quoi? Mais attends, mais on est où, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Y a un truc de nouveau, quoi? Comment tu fais pour m'entendre? T'as fait quoi? T'as actionné le son? Ah, je suis dans ton esprit. Ah oui, d'accord, mais je me disais, c'est pas normal. Tu serais pas là à regarder le live, quand même. Faudrait pas abuser. Waouh! Attends, t'es dans mon esprit? Non! 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 Non, Knut, sors de là. Tu verras des choses que tu ne voulais pas voir, je crois. Fuis! Fuis! Non! Va-t'en! Ah merde, Léo, il est tombé dans un gros trou, le pauvre. Non, Knut! Tu en reviendras changé à jamais. Tu... Non! Non! Ah, c'est trop tard, je pense à des trucs, non! C'est fini pour toi. Adieu. Je suis déjà traumatisé. Et encore, c'était que le début. Allez, en plus, ils font des attaques de 1, ils sont trop nuls. Tu vas bien? Oh, les copains. J'avais pas vu, t'as oublié d'écrire traumatisé, t'as écrit traumatisé. Oh bah alors, qu'est-ce que c'est? Bien joué ça, ça c'est propre. Knut est en train de voir tous les... C'est ce qu'elle disait de Farod. Et si seulement il y avait que ça. Allez, on va se le faire. On va se le faire sans prendre de potions, ni rien, ni de bananes, ni quoi que ce soit. Voilà, niveau 11, on récupère tous nos PV, qu'est-ce qu'il y a? Allez, le one-shot. Non, pas encore. Là, le one-shot, salut. Allez, salut. Victoire. Putain, c'est ouf comment je suis en forme maintenant, ça prouve bien que le couteau sur le visage, ça fait tout, quoi. Encore un combat, putain. Oula, eux ils vont poser problème. Après tu me diras s'ils attaquent, ils... Ben voilà, c'est qu'ils one shot en fait. Donc on va vite aller la sauver parce que... Parce que MDR c'est quand même elle qui heal les gens, faudrait pas l'oublier. Ah j'ai plus rien, ok. Très bien. Non mais les gars, En fait, comment je vais faire moi pour gagner à un moment donné? J'ai attaqué dans le vide, mon seul moyen de tuer quelqu'un du premier coup. Non mais sans déconner, ça c'est parce que je pleure. Bien joué Marshall, putain. Ça c'est important dans une équipe. Non, elle l'a pas réveillé, elle s'est juste foirée. C'est triste en fait. Elle va se faire buter, elle va se faire buter. Oh putain, mais comment je vais faire moi? Et Farod il est obligé de revenir à... Mais quoi? Non mais sans déconner les mecs, vous m'avez laissé aucune chance. Mais les gars, c'est quoi ce jeu de fou? Quel combat? Mais c'est quoi ce jeu de fou? Ils font du 999, c'est quoi ça? Oh, allez, niquez-vous, là. Allez, vas-y, Mickey, vas-y, parle-moi. Oh! Alors, des habitants que tu as sauvés renforcent tes pouvoirs. Tu apportes de l'espoir à Tomitopia quand tu l'avais contre les monstres qui se tracent sur ton passage. Prochaine étape, sauver 500 habitants. Bon courage. Merci, Mickey. Un peu relou. Un peu dégoûté de ce qui vient de se passer, je t'avoue. Ah oh, ouais, la fiole, elle est belle. Oh là là, l'attaque et la magie, oh là là, oui, il va chercher ça. Ouais, on a un petit peu speedrun Mickey aujourd'hui, je vous avoue. Bon, on n'a pas beaucoup de temps. Ah non, je la trouve plus belle l'ancienne, elle est beaucoup plus classe, je trouve. Ok. Qui a besoin de défense ici? Askunt, il a 53 défense, ok. Lopocute, elle a 64 de défense, ok. Marshall... Elle a 40... Putain, Marshall, tu fais chier, t'es nul. Putain, Marshall, t'es une fleur. Voilà, on va pouvoir te changer d'habit. Donc, Marshall, tu as le choix entre le... Voilà, ça. Ah, et en fait, tout est vert. Donc, autant rester vert. Ah, ben non, en fait, tu vas garder la tenue violette d'avant. Parce que le plaisir, en fait. Voilà, on va donner à manger. Oula, elle adore ça. Et sachant que des PM, elle en a grave besoin, en plus. Ah, plus que tout le monde en fait. Allez, vas-y, bouffe. Let's go. Putain, t'as pas gagné du tout en fait.
Les PM et la magie. Les PM et la magie, ce sera entre vous trois. Donc toi, tu es à 42,80. Tu es à 27,71. Donc c'est entre vous deux. Tu es à 45,37. Mais sauf que la magie, je suis toujours pas si elle en a besoin, elle, de la magie, en fait. Toi, t'en as 1000 fois plus besoin que tout le monde. Ou pas, en fait, je me suis gouré. Je me suis gouré. Ah, je me suis gouré, je crois. Oups. Tout le monde est toujours au niveau 12. Non, Marshall, niveau 11. Ah, il est où le... Ouais, ok. Bah, on va garder ça, on va retenter, du coup. Ah oui, faut le refaire. Hein. Mais juste trop chiant en fait. Eh, Léo, ça dit de pas tomber dans un trou en fait cette fois. Ça serait cool. Hein. Ça serait cool que tu restes en vie. Merci beaucoup à Dash Rogue qui arrive ça pour ses 7 mois. Et Léo, je passe juste pour utiliser mon sub. Je regarderai la rediff demain. Bon live à tous et bonne chance Farod. Merci Dash Rogue. C'est très gentil. Moi aussi, je te souhaite bonne chance et bonne rediff. Et merci à Lilou Kitsune qui a envoyé des beats. Ça va Farod, t'es réveillé? Mais oui, tellement. C'est ouf. Ça marche bien l'eau froide. Tac tac. T'es toujours pas mort? Ah oui, démonte-les. Oh là là, bien joué. Et voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Let's go, on n'a pas le temps. On continue? Ouais, on continue. Mon petit gâteau du diable pour tout à l'heure, c'est bon ça. Je sais plus ce que ça augmente, mais c'est bien. Allez, est-ce qu'on va retomber sur les méchants là? Non, c'est pas eux. Alors avant de commencer le combat, on va redonner de la vie un peu à tout le monde. Enfin seulement aux victimes de la team, évidemment. Et des PM aussi pour les éviter de manger des bonbons. Allez, c'est parfait. Allez-y, régalez-vous. Oui, oui, vas-y, vas-y. Tac tac, il a pas le temps, il tue deux ennemis d'un coup. Attaque rêveuse. Ah, il les fait danser, il les amuse. Enfin, juste un papillon nul hein, qui attaque du 1, donc bon. Nice. Une relation renforcée, c'est bon ça. Niveau 10. Oh là, ils ont pas le temps. Sacrifice, c'est bien ça, quand on va se faire tuer. Allez-y, tout le monde sur le serpent. Vas-y Léo, régale-nous. Ben voilà, tu m'as régalé Léo, t'es le meilleur. Bien joué. Eh bien Marshall, ceci pour toi. Tu montes de level, ça y est. 4 PV, 2 PM, et c'est pas beaucoup tout ça. J'arrête pas de te clasher, je suis désolé, j'arrête, c'est bon. T'en as eu pour ton compte ce soir. Allez. Ah, les voilà. Alors là, on me donne de la vie. Ce qui ne sert à rien, on soit donner de la vie à tout le monde, puisqu'ils vont nous one-shot hein, en fait. Hop, j'ai plus rien. Je t'ai vu, JD, tu viens te gratter le cul. Hein. C'est pas genre, je l'ai vu. Ok. Ok. Bon, si je peux laisser en automatique au final. C'est parti. Donc il attaque de suite. Mais vraiment. Donc là, Farod va le venger. Il attaque du 108. Oh là là. Farod, on va le mettre derrière. Il perdra son état de speed. Alors, juste, je voulais utiliser ma salière, en fait. Mais c'est pas grave. Ok, donc on va le mettre ici. Je me trompe, c'est pas grave. Marshall, ce serait bien qu'elle réveille quelqu'un, en fait. Et tiens. Ah mais non, elle est trop excitée, c'est pour ça. Elle peut pas. Farod de retour parmi nous. Oui, la réponse est oui. Tu vas venir pour peut-être te prendre un autre coup. Et pour protéger les autres pendant que les autres l'attaquent. Sur 3, c'est pas énorme. 52, c'est pas énorme, mais tu l'as tué, donc c'est bien. Bravo à DudeJD. Waouh. Il était encore une fois assez compliqué ce combat. Et là, ils m'en remettent 4. T'imagines? Ah, d'accord, très bien. Waouh, mais c'est chaud là, ce chemin là. Ça rigole pas du tout. Allez, tu vas tout prendre. Mets-toi bien. Et alors là, putain, les gars, on a plus rien. C'est vraiment let's go quoi, tout le monde s'éclate. Ouf, c'est pas mal ça. Ouais, ok. Action rêveuse, ok. Non, c'est nul ça, Léo, c'est nul. J'ai plus rien dans les salières, on est d'accord. Hein.
Ah si, j'ai encore. Non, j'étais à tout le monde que je devais donner sauf à toi en fait, quel con. C'est bon, tout le monde a ce qu'il faut. Peut-être les... Eh non, j'ai plus rien, ok. Eh ben ça va être vraiment full random là. Pas mal ça. Pas mal ça aussi, c'est très bien. Léo, faudrait que tu envoies la sauce sur tout le monde un peu. Voilà Léo, c'est exactement ce que je voulais que tu fasses. Très bien, attention. Attention, il veut s'amuser avec quelqu'un. Là il offre tout le monde. Moi je vais attaquer très fort, je vais impressionner en plus. Bravo, Marshall on la voit pas, vous rendez compte tellement le cobra est énorme. Oh là là, ce qui va se passer là. On a attaqué 72 sur chaque cobra, on les a démontés. Adios, merci, au revoir. Alors de ce que j'ai compris, le VIP n'empêche pas le bot de Théo pour abus de majuscule. Mais tu vois ça Knut, si on a si dans le futur lointain, très lointain, on a le bot de Nymphia sur le chat, on pourra se faire des petites folies avec le rôle VIP. Le rôle VIP, oh, on va pouvoir mettre des commandes exprès pour les VIP et tout, ça va changer beaucoup de choses je pense ça. Très très cool. À voir, c'est toujours pas sur la liste des choses à faire pour le moment, mais c'est... On l'a en tête. Enfin, Nymphia l'a proposé, il avait l'air d'avoir une bête d'idée. Vous avez reçu une lettre, Mamoun ? Ah non, c'est Sabelle. Cher Farod, voici un cadeau très spécial de la part d'une riche célébrité. Moi, c'est pas une montagne de billets, désolé. Oh, c'est bien, non, c'est bien, moi j'aime bien. Alors, non, je veux pas faire de pause, arrête. Arrête. Tu calmes, j'ai trop tôt pour faire la pause, t'arrête. Qui veut des sous? Allez, où il veut encore un truc pour augmenter son attaque et sa magie. Oh, allez, 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 là. 2005, encore? C'est pas vrai. Mais elle va me ruiner à force. Non, Léo, c'est beaucoup plus intéressant. Elle est stylée cette arme en vrai. Ah, je la trouve assez stylée. Ah, surtout avec son costume. Oh, la magie 75, il est trop fort. Donner à manger, oui, c'est important. Alors, des PM. Donc, elle, elle en a 25. 27. Plus. Il n'y a pas beaucoup à Skuns. Mais Asken, je pense qu'on va pas l'utiliser beaucoup hein, dans la team au final, à la fin. Allez, régale-toi. Ok. PM et magie. Alors non, tu n'as pas besoin de magie, toi. Toi non plus. Toi, oui. Le truc, c'est qu'on sait pas si tu vas aimer, en fait. C'est ça, le problème. Oh, t'as tellement de magie, t'es ouf. T'es trop bien. Allez, régale-toi. Ah, il a aimé. Oh, on a bien fait. Ça, ça augmente les PV et l'attaque. Les PV, ceux qui ont... Il y a des gens qui ont, beaucoup, qui ont vraiment pas beaucoup de PV. 53, 52, tu vois. Et là, en termes d'attaque, il en a vraiment pas beaucoup des hauts. Il a 61. Non, mais il a rien en PV. Léo, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Bon, par contre, en défense, il est bien, mais en PV, il a rien du tout. Le pauvre, quoi. Le giga pauvre. La magie, ah oui, c'est entre ces trois-là. Plus 5, plus 8, plus 7, plus 9. Allez Antoine, c'est pour toi. C'est cadeau. Adieu. Faisons des petites lésions liaisons d'amitié, bien sûr. J'ai qui dans ma team actuellement, là? Lelei. Ah, attends, on va aller voir ça un peu. Non, j'ai pas les lay. J'ai Marshall. Oh, Marshall a besoin d'être pote avec tellement de monde. Marshall, on va l'allier d'amitié avec... Avec Léo, peut-être. Non, elle est déjà assise. Elle en a pas besoin. Léo, on va le lier d'amitié avec... Avec Mister JD. Et c'est que c'est important, l'amitié. Léo et JD. On l'a pas vu venir, celle-là.
Là, ça va être le moment un petit peu long du jeu. On va devoir se taper les cinématiques. Si vous voulez, si un modo veut lancer une pub, je pense que c'est le bon moment parce que ça risque d'être un petit peu long quand même. Donc on refait ça, ouais, jusqu'à vous monter de level 2 minimum. Waouh, Knut. Paf, pas le temps. Allez, à la seconde même, elle avait le mot commercial dans son CTRL-C, CTRL-V là. Elle a fait paf, CTRL-V, entrée, direct. Même Twitch, ça a été trop rapide pour lui, il a pas eu le temps d'envoyer la pub. C'est ouf. En tout cas, bien joué, bravo. Waouh! Oh, on a plein de trucs à bouffer, trop stylé là. Eh, c'est qu'ils commencent à me ramener pas mal de trucs sympas, eux, en fait. Hein. Ah, je l'ai eu. Ah bah, désolé que tu l'aies eu. Enfin, désolé à la fois, merci de l'avoir eu, du coup. Parce que du coup, ça me fait gagner quelques centimes. Allez, son niveau 3, on va passer à un autre couple. Elle fut courte, hein. C'est ce qu'elle disait. Alors, qui on va mettre qui va se lier d'amitié avec qui? Eh ben, Marshall et Léo, clairement. Attends, Léo, il se met bien, là. Il devient pote avec tout le monde. Et si on faisait un peu de cuisine? Non. Du coup, non, en fait. Waouh, vous en avez fait pour tout un régiment. Et en plus, vous l'avez cramé, oh non! Et vous êtes devenus trop potes après ça. Incroyable, cette histoire. Allez, c'est reparti. Comment ça se passe avec les pubs? Car jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu encore de pub. Et c'est normal, c'est parce que tu es sub. Quand j'ai désactivé le fait que tu puisses voir des pubs si t'es sub. Je sais pas si je l'ai bien dit. Ah, mais ça avait le cheval! Merde! Je crois que c'était. Oh non! Quel couillon! J'avais pas vu. Il sortait avec le cheval en fait. Il préférait sortir avec le cheval qu'avec Marshall. Sympa. Hein. Trop cool le mec. Hein. Trop sympa. Oui, du coup, quand tu es sub à la chaîne Twitch, tu n'as pas les publicités qui pop. Sauf des fois, on sait pas pourquoi ça bug. Mais c'est acté, t'as pas de pub quand t'es sub. Ah, la défense! Il y a des gens qui en ont besoin de la défense. Je suis à 90. Elle est à 58. Il est à beaucoup plus. 59. Beaucoup plus, mais ils aiment pas de façon. Oh là là, Marshall, t'as un problème. T'es qu'à 52. Et toi, t'es à... Putain, t'es à 53. C'est pas beaucoup non plus. Et lui, il a 53 aussi. Allez, Marshall, on va voir si t'aimes bien ou pas, là. Ouais, elle a bien aimé. C'est une bonne nouvelle. Ah bah tiens. Bah justement. Quoique... Bah, on a besoin que t'aies de la défense parce que t'es quand même le healer du groupe, en fait. Nice! Oh, j'ai bien fait de te le redonner. Et ouais, healer du groupe, il faut que tu sois à fond, quoi. Des PV, alors des PV, qui veut des PV? 63, 54 seulement. Oh là là, t'es nul. T'es caca. 49. 45 seulement, Antoine? T'as que 45 PV? T'es une merde. Ah, mais, ah oui, mais c'est Léo qui a besoin... c'est Léo qui a besoin de PV de ouf. Oh là là, Léo et Antoine. En fait, je retire ce que j'ai dit, Marshall. Comparé à Léo et Antoine, t'es beaucoup plus mieux. Bon, mais vas-y, régale-toi. Hein. Mais normalement, ça aurait dû être Léo qui le mange. Léo, il a vraiment trop peu de PV, c'est pas normal. Ça augmente défense et PM. Allez, en espérant que tu le kiffes. Oh là, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bien joué, bien joué, bien joué, c'est bien. D'autres gens qui ont besoin de plus de PM peut-être. Ford il en a peu. Ford c'est un peu une merde là non? Il a 37. 37 c'est ça, j'arrive pas à calculer. Non 35. 35, elle est à 26. 24, mais personne n'a de PM. Lui il a beaucoup, beaucoup. 27. Beaucoup. Beaucoup. Pas beaucoup. Ça se joue entre ces trois là du coup. Bah c'est parfait, j'en ai 3. Qui en a le plus besoin? 25, 26. Moi, mes attaques sont fortes. Ouais. Ah, j'ai que 2. Allez, je me prends la celle avec une étoile. Désolé, Lelay. Oh non! Il a pas aimé ce couillon.
Couillon, va, couillon. Elle, elle a aimé, c'est bien. Ah bah tiens, tu vas... J'ai envie de retester avec moi, putain, mais je suis sûr qu'il a pas aimé. Oh, mais ça confirme bien que quand c'est de la même série, il y en a un qui l'aime pas, il aime pas les autres. C'est sûr. C'est sûr. C'est officiel, c'est confirmé à 100%. Maintenant, je vais croire que en ce que je dis, moi. Bon, JD, il est niveau 13. On n'a plus besoin de JD. On va aller prendre quelqu'un d'autre qui sera Lelei. Je pensais à elle, justement. Il faut l'augmenter dans son attaque et sa défense. N'allez pas, ça dépend. C'est acté, c'est sûr. Allez, on va augmenter encore de level un peu en passant par là, maintenant. La bouffe, c'est aléatoire. Non ! Non, pas du tout. C'est moi qui fais les règles, c'est moi qui ai créé le jeu, je m'y connais mieux. J'ai une copie personnalisée de Mythopia, dans la mienne c'est comme ça. Si, si. Il y a des mugs sur internet, c'est ce qu'elle disait. Oh, oh putain, mais qu'est-ce que j'attends pour faire un t-shirt, c'est ce qu'elle disait. Un mug, c'est ce qu'elle disait. Un oreiller, c'est... Oh là là. On le fait ou pas? Oh. Mais oui, c'est vrai que... Mais je peux faire ce que je veux avec les emotes. Eh oui, Marshall. Eh oui, j'ai acheté le droit des emotes, du coup je peux en faire ce que je veux. Une petite emote. Balancez-moi mes emotes dans le chat juste pour que je vois un petit peu ce qu'on a. Pour voir ce qu'on pourrait mettre. Qu'est-ce qui irait bien selon vous sur un t-shirt comme emote? J'ai remarqué un truc, quand Farod est au combat, il lui arrive de lâcher un P en disant que personne... Mais le jeu est beaucoup trop roleplay. Mais c'est incroyable. Mais comment ils savent? Comment... Non, je te jure, ce jeu est incroyable. Ils écoutent le jeu, il active les micros, il écoute, c'est pas possible. Farod, il lui arrive de lâcher un P en pensant que personne ne va le remarquer. Mais comment tu sais? C'est fou, mais c'est complètement fou. Pensez-vous, on me la fait pas à moi. En matière de P, je suis un expert. C'est incroyable. Ça sera la miniature. Là, juste cette case là, ce qu'a dit Léo sera la miniature, d'accord? Voilà, sachez-le. Ce sera au bout de 2h31 de rediffusion, faudra que je m'en rappelle. 2h30 quoi. Putain, c'est incroyable. Alors du coup, quel emote vous verrez bien sur un t-shirt? J'ai pas eu le temps de vous regarder, j'étais tellement choqué de ce que je voyais. Oh, au pire, on fait des emotes, on fait des t-shirts pour toutes les emotes non-stop quoi. Ah, faut que tu les adaptes au format t-shirt. Ah merde. Ah zut. Dommage. Parce que je voyais bien un C le P en t-shirt là. Un C le Q. Sur un short. Derrière. Sur ton cul, il y aura écrit C le Q. C'est génial ça. Oh, c'est là, on est dans le futur les gars. Ah ouais, ah ouais, ouais. Moi je l'achète direct. Un caleçon, c'est ce qu'elle disait. Oh, tout le monde est devenu copain cette nuit. Eh ouais, dès qu'elle bute, c'est le P, c'est le Q, mais bien sûr. Ah oh ouais. Oui, oui. Il y a un truc de ouf là qui se met en place. Hein. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais... Non, j'en ai pas besoin, moi. Peut-être toi, l'attaque et la magie. Ouais, t'en as besoin. Allez, va te chercher ton bouquet. Oh, tu fais chier! Heureusement, je récupère mes pièces. Pas toutes, mais un peu quand même. Et toi, il veut se battre avec un poisson. Mais il est complètement fou. Oh, ça augmente que l'attaque. Dommage. Il a une attaque de 61. Oh, j'hésite. Parce que j'ai juste pas assez de pièces, en fait. Je peux juste pas te l'acheter. On peut juste acheter l'autre, mais celui-là, on peut pas. Un ragoût d'épines. Un plat fade à l'intérieur, piquant à l'extérieur. Mais c'est horrible. Ça augmente la magie. Alors, tu t'en fous. Tout ça, ça t'intéresse. La défense, t'es à 59. T'es à 57. T'es à beaucoup plus. T'es à pas beaucoup, mais la magie, on va dire que ça t'intéresse pas. Léo. Ah, il s'est régalé. Si je vois un élève débarquer avec un t-shirt, c'est le P, je te jure, que je quitte l'éducation nationale. Et tu te mets à plein temps modératrice. Allez, on prend les paris. Moi, ça me va. Hein. Moi, ça me va, let's go. Est-ce que tout le monde est toujours niveau 12? Oui, ça ne change pas, alors on repart avec cette équipe-là.
Mais ça va bien se passer, Knut, tu verras, tu seras fier d'eux, tu te diras, ah, c'est des bons, mes élèves c'est des bons. Et l'élève il va arriver avec le t-shirt c'est le cul, tu vas le voir, tu vas craquer, tu vas lâcher, hein, c'est ce qu'elle disait. Et là tous les élèves vont faire, waouh, ouais, c'est vous Knut Shepard et tout, et là c'est l'éducation nationale qui se séparera de toi du coup. Et là c'est la fin. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Attention, tu regardes ailleurs, mais oui, mais bien sûr, fais gaffe. Oh, ils attaquent du 1, ils sont trop nuls. Action prudente. Vas-y, vas-y, régale-nous. Bien joué. Attendez, si ça se trouve, Knut, c'est une de nos profs et on le sait pas, mais bien sûr. C'est ça qui est incroyable. C'est pour ça que la prochaine fois que vous avez école... Chaque fois que vous avez une prof femme, vous leur demandez « Vous êtes modératrice sur Twitch ?» Bien sûr, elles vous diront toutes non. Mais il y en aura une parmi les toutes qui sera là, qui va bafouiller, qui va faire « Non, bien sûr. Twitch, c'est quoi Twitch ?» Voilà. La première qui vous dit ça, là, c'est réglé. Vous savez que c'est Knut. C'est fini. Tu sais que j'ai failli montrer mon pseudo à mes sixièmes. Oh, tu viens d'avouer que t'as des sixièmes. Attention. Attention, ça se resserre petit à petit. Sans faire exprès MDR, j'ai sué, la proba que ce soit un viewer est faible, mais il suffirait à d'un seul... Ah ouais, là c'est foutu. C'est foutu de ouf. Ah non, mais tu rigoles Knut, en vrai, mais je te le souhaite pas. Hein, parce que j'ai un pote, avec qui j'ai fait une vidéo YouTube il y a 4 ans. Elle est toujours en ligne la vidéo, on imite des introductions de YouTubeurs et on se met des pinces à linge sur le visage. D'accord ? Je sais pas si cette vidéo vous parle. Cette vidéo... Oui, voilà, c'est mon ancien voisin. Enfin, c'était mon pote, mais qui habitait sur le même palier que moi. Allez voir cette vidéo. Et allez regarder les commentaires. Allez dans les commentaires les plus récents, d'accord? Allez, je vous spoil pas. Allez juste voir les commentaires les plus récents. Bon, je vous spoil quand même. Il y a tout le monde qui dit, depuis 2 ans, « Eh, c'est mon prof d'SVT! Eh, mais c'est mon prof d'SVT! Eh, mais c'est mon prof! Eh, c'est monsieur truc! Eh, mais c'est mon prof! Eh, mais c'est ouf, c'est mon prof d'SVT !» Et ouais, même lui, il s'attendait pas à ce qu'il soit autant reconnu pour le coup, parce que du coup, lui aussi, il est prof. Et c'est l'enfer pour lui. Mais il m'a dit, ça va, je gère, ça me pose pas de problème, ça me fait rire, et moi, ça me rapproche plus des élèves, donc c'est cool. Mais c'est marrant, je trouve ça très marrant. Mais dans la vidéo, il se relâche de ouf, il dit que des conneries et tout, on est trop en mode bon délire, voilà quoi. Et du coup, voilà, c'est marrant de voir autant d'élèves qui disent, « Eh, mais c'est mon prof! Eh, mais c'est mon prof !» Voilà. Tout simplement. Allez, c'est parti. Ouais, les bombes, elles sont pétées entre elles. Elles ont pas le temps. Toute école, c'était partager la vidéo et tout. Ah ouais, moi, je pense que c'est ça, c'est sûr. Après, c'est sur plusieurs années. Donc, en fait, quand il y a une nouvelle année qui commence, les gens le reconnaissent pas. Et si jamais il y a un élève qui tombe sur ma vidéo par pur hasard qui date d'il y a 4 ans... Oh, elle m'offre un bonbon, merci. Elle essaie de se rattraper. Et après, ouais, mais là c'est reparti pour une année de... Hey, « Eh monsieur, vous connaissez Farod ? Hey, monsieur, vous faites des vidéos sur YouTube ? Hey, tu connais Fortnite ? Hey, monsieur, t'as TikTok ?» Et alors là, pendant une semaine, c'est trop chiant. Vous croyez que je vais vous dire si j'ai 3ème, vous êtes fous. Attention Knut, attention. Fais gaffe. Ils sont cool ces ennemis bombes là, parce qu'ils s'entretuent entre eux, c'est bien ça. C'était fatigant. Nice, Léo est augmenté niveau 13, bravo Léo. Je la retrouve pas. Oh, bah t'as mal cherché alors. Parce que j'ai pas souvenir de l'avoir mise en non répertorié. Doop, c'était la vidéo s'appelait On y mit des intros youtubeurs, un truc comme ça je crois. Ouais, il y a encore. Ah ben voilà, ça me rassure. Niveau 31 avec le cheval, qu'est-ce qu'il y a là? Bon, Léla, il veut plus racheter son arme ou quoi? Ouais, mais ça augmente que de 61. Ah, lui il a besoin d'augmenter son attaque par contre, JD, c'est clair. Non, la vidéo n'est pas délaissée. Mais attendez, vous êtes fous. C'est pas compliqué ce que je vous ai dit. Vous allez sur YouTube, vous tapez, on imite... vous tapez Farod. Farod imite intro. On devrait trouver de suite. Oh, j'ai écrit Faeod. Mais c'est pas grave, on comprend quand même puisqu'il me l'a trouvé de suite.
Farod imite intro. Voilà, on imite les intros des youtubeurs. Voilà, et quand je clique dessus, évidemment, on va se taper une méga pub. Oh, du brownie. Ah, ils sont cool les pubs. Je vais dans commentaires les plus récents, je vous les lis en direct. C'est mon prof de SVT stream Farod. Ah, d'accord. Quelqu'un vient de passer le commentaire il y a une minute. Je m'y attendais pas. C'est mon prof de SVT il y a 2 minutes. En descend. Ton ami est trop mignon, ça c'est gentil. Donc c'était il y a 1 an. Là, on commence déjà les commentaires d'il y a 1 an, du coup. C'est mon prof de SVT à gauche. Putain, c'est mon prof d'SVT, c'est mon prof d'SVT. Le mec avec Farod, c'est mon prof d'SVT. Les gars avec Farod, c'est mon prof d'SVT. Si, si, je le jure. Hashtag prof d'SVT, c'est que des commentaires différents que je lis. Le voisin de Farod est mon prof d'SVT. C'est mon prof d'SVT. Le gars à côté de Farod, c'est mon prof d'SVT. Il y a un mec qui a dit juste à gauche. C'est mon prof d'SVT. Le mec à côté de Farod, c'est mon prof d'SVT. Et il y a 5 réponses. La même. Mais alors, Lorenzo, toi aussi, tu l'as. Bah, je vois que toi aussi. Bon, ils se font des conversations. Il est trop sympa, c'est mon prof, le gars avec toi, Farod. Le prof d'SVT, OMG, smiley qui pleure. C'est mon prof de remplacement d'SVT. Ouais, et ça n'arrête pas. Et il y en a plein. Et tu descends, il y en a plein. Alors, il y en a un, par contre, il a dit, il est gros ton pote. Ça, par contre, c'est juste pas cool, en fait, c'est dégueulasse. J'ai oublié de le supprimer. Et après, tu descends, il y a encore des gens qui disent, c'est mon prof, c'est ouf. Voilà, c'est rigolo. C'est marrant. Il va me détester d'en avoir reparlé en live parce que sûrement qu'il y a au moins une personne dans ce live qui va aller revoir la vidéo et qui va se dire oh putain, oh putain, c'est mon prof SVT, je l'avais jamais capté, c'est mon putain de prof SVT. Et voilà, sur 1000 ça m'étonnerait. Oh, on sait jamais hein, le monde est petit hein. Oh, je préfère les... Oh, l'étoile elle est 1000 fois plus belle hein. T'es ouf ou quoi? Oh, quoi que c'est... Non, c'est... Allez, on change. On va s'arrêter là pour le moment et on va donner à manger aux gens. Moi par contre je suis votre prof de maths dans un univers parallèle, exactement. Alors ça augmente la magie, la défense. La défense 60. Il en mange. Alors on va voir si Antoine il aime bien ou pas. Oh non, il a détesté, quelle erreur. Oh non, les boules de Noël. Alors ça ils aiment pas. Les PV, les PM. Alors il a juste besoin de trop de PV en fait lui. Eh ben, ça s'arrêtera là, du coup. Tant pis pour les PV. Qui a besoin de PV aussi? Antoine, je crois. Il a bien aimé, ça va. Tu es à 52. Tu es à 56. Tu es à 49. Bien joué. Ça, ça fait plaisir, ça. 54... beaucoup. 50. Alors 54, 50. Putain, j'arrive pas à calculer. 54. Et lui, il est à 46. Ah, allez, vas-y, t'en remanges. Tu m'as saoulé. Ah, je pensais qu'il allait monter, dommage. Ah, il m'en reste encore beaucoup en fait. 50. Allez, Askuns, on te monte un peu, sinon après tu vas mourir. Après, Askuns, on s'en fiche qu'il monte des PV parce qu'il a énormément de défense. C'est ça qu'il faut regarder aussi. Bon, elle aussi, elle a énormément de défense. Ah bah lui aussi, en fait. Allez, vas-y, prends. Ah, enfin, quelqu'un qui kiffe bien. Parfait. Qui d'autre? Non. Attends, je veux un truc, moi, ou pas? Non, je n'ai besoin de rien, envie de toi. Let's go, on y va. Bon. On va changer la team. Léo, je suis désolé, nous n'avons plus besoin de toi. Il nous faudra quelqu'un qui attaque fort. Eh bien, on va prendre Askuns et on va l'augmenter du coup. Ah, quoique j'aurais pu prendre l'Opocute aussi, tu me diras. Oula, on a déjà tout fait là? Il nous manque rien nulle part? Tout est fait partout là? Déjà? Merde. Ça va trop vite. Oh non, les problèmes. Je veux pas me battre de suite, hein. J'espère qu'il y a une autre phase encore. Hein. J'espère qu'il n'y a pas un combat direct, sinon je suis dans la merde. C'est parti! Let's go! Oh! Pop-pop-pam. Bientôt va se dresser devant nous un ennemi vraiment redoutable. Et comment tu sais ça? Comme ça, je vois dans le futur. T'as pas vu le panneau tout à l'heure? Entre du boss droit devant, ça me paraît clair. Ah, effectivement, oui. C'est rare que ça soit si bien indiqué. C'est pas une raison pour relâcher notre concentration. On continue. Oh oh, si le combat du boss il est juste déjà maintenant, je suis vraiment dans les problèmes en fait. Oh putain, je suis dans les problèmes. Tartin! Quoi?
Bling blong blang. Quel ennemi ça va être, Tartin? Putain, il lui ressemble tellement. Une armure, Tartin? Oh putain, l'épée de bouclier, on s'était déjà battu, c'était déjà un boss, eux. Alors, comment dire? Non. J'aimerais que vous soyez salés, les petits. Voilà, soyez donc salés comme ça, c'est bien, ça. Allez, régalez-vous. Voilà, ça, c'est ce qu'on veut voir. Elle a peur de se faire attaquer, l'épée. Ouais, bien joué ça, Skuns le tank. Ah oui, Eric. Oh là là, trop fort. Lié d'amitié? Non, pas encore, trop tôt. Oh putain, elle fait mal. Waouh, wow, wow, ils ont giga mal les copains là. Nick Tartin, let's go, on est là. Ça va cogner. Allez, vas-y. Ah, bien ça. On l'a démonté, le bouclier. L'épée, on l'a pas encore démonté. Attends, elle m'a attaqué que du 1. Oh, j'ai une putain de défense, c'est ouf. Alors, on va bien regarder ce qui se passe maintenant. Il fait feu. Il attaque du 80 parce qu'il est trop balèze, évidemment. Voilà, les PV au max, bien sûr. Les PM aussi un petit peu. Hop. Ah, Farod, il est content. Oh, la prochaine attaque, il va... Oh, et le cheval en plus. Il va exploser le... Game en fait. Cheval. Attaque montée 2. Ou chevaucher. Ah, j'hésite. Chevaucher ou attaque montée. J'ai pas l'impression que chevaucher ça fasse si mal que ça en vrai. Je pense que attaque montée 2. Avec la folie. Plus le fait d'être heureux. Et ça va être insane. On en a tout le monde qui dit chevaucher dans le chat. Vous êtes sûr? Ah oui, vraiment. Il n'y a pas une seule personne qui a pas dit chevaucher en fait. Bon bah let's go alors. Je vous fais confiance. Putain, il a tellement de vie. Oh, regardez-le comme il est heureux. Il va faire ses meilleurs câlins au cheval. Il a perdu tous ses PM. Oh le câlin. Oh le câlin. Oh le câlin. Let's go. Ah, vous aviez complètement raison. C'était super fort en fait. Désolé d'avoir douté de vous. S'il me le repropose, je le refais direct en fait. C'était trop puissant. Allez, il va falloir anticiper qu'il attaque. Ah, Marshall s'est calmé. Pas plus mal, parce qu'elle va pouvoir soigner les gens, je pense. On va garder la potion de speed pour Farod. Parce qu'il fait trop mal, en fait. Ouf. Quoi? Elle appelle du renfort? Oh non. Bah, juste giga chiant, en fait. D'où t'appelles du renfort? T'as cru que... Non, en fait, pas du tout, en fait, non. Oh, action duo. Prise en étau. Oulala. Là là. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, putain, j'ai placé un 123 au calme. Je crois qu'il est mort. Non, il est pas mort. Et on va faire... Ah si, il est complètement mort. On l'a démonté, on l'a démonté. Double griffure, assène à l'ennemi. Deux coups... Oh ouais. On va l'exploser en un coup. Et en plus, Marshall va m'aider. Ah, ça l'a pas suffi. Ok. Ça l'a suffi. Oh là 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 là. Ce combat a été un régal à faire. Tout ça pour Tartin. Mais ouais, allez pour Tartin. Hashtag Nick Tartin, on est là. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, le petit Tartin. De retour parmi nous. On va devoir le level up de ouf, Tartin. Il va en avoir grave besoin. Bien joué. Bravo. Excellent. Super. Waouh. Putain, toute la bouffe qu'on récolte. Tartin, il est niveau 9. Ah ouais, il va falloir l'XP de fou, le pauvre. Waouh. Je savais que je pouvais compter sur toi. Et j'ai pas été déçu. Mais évidemment. Je ne sais pas comment te remercier. Je pars demain, à plus tard. Bonne façon de me remercier, ça tient. Super, on a récupéré tout le monde. Tout le monde? Tout le monde? Vous êtes sûr? Il y a vraiment tout le monde? Il manque pas un Jean? Ah non, il manque pas un Jean, on a tout le monde. Oh waouh waouh, tellement de sous-sous. Oh, la team au grand complet, ça fait trop plaisir ça. Et du coup, je prends un risque en prenant Tartin de suite là, j'ai peur qu'on tombe directement sur le boss.
Oh, nice! Enfin! Oui, enfin, ça y est! Nous sommes 10! Cette fois, on va pouvoir... je fais tomber ma manette, pardon. Ouais, on va pouvoir rentrer chez nous. Non. On prend nos clics et nos claques et on rentre à la maison. Ouais, bonne idée. Non, en fait, c'est pas ça le but du jeu. Bah, il fait quand même super peur, cet avatar du mal. Ouais, il me file les chocottes. Et pas qu'un peu. Et si tu savais, Farod, tu t'es jamais fait capturer aussi, toi. C'est vrai, ça. Oh, 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 je suis venu vous sauver, ça va, là. L'avatar du mal, l'opoc et ses énormes mains griffues. Ces geôles sombres et étouffantes. Brrr, le vibreur de téléphone. Mais vous savez, si on laisse l'avatar du mal Lopok en liberté, il se fera un plaisir de vous capturer encore. Argueux! Vu comme ça, j'y avais pas pensé. Oh putain, c'est tellement simple de les convaincre. Bon, nous sommes une équipe de 10. On va lui en faire voir de toutes les couleurs à l'avatar du mal. Santé! Oh, let's go. Marshall, t'es tellement petit, on voit pas ton verre. Oh mon dieu, la tristesse. Attribuer une chambre à Tartin. Tartin, il va aller au milieu parce que c'est juste le centre du monde, en fait. Voilà. Bloup, 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 bloup. Rompchit, rompchit. Non, pas de pause. Ah, pas de pause. Ouais, Okra, c'est le bon moment. Bien joué. Surtout que là, je vais faire des... Quoi? Oh, le cheval, il, passe, il pense à Tartin. Mais on est où, là? Ça fait longtemps qu'il l'a pas vu, ok, mais quand même. Ils veulent parler entre eux. Mais... D'accord. Je... Qui suis-je pour juger? Tartin raconte cet épisode marquant. Mais frère, tu parles au cheval en fait. Mais le cheval s'endort. Et paf, ils deviennent tous les deux level 4. Bravo. Au revoir Knut, merci beaucoup d'avoir été là. C'est marrant, hein, moi je dis ça, je dis rien, mais Knut, c'est au moment même où on a débloqué Tartin qu'elle fuit. Je sais pas, je dis ça comme ça, voilà tout. Alors, on va compter. Alors, Tartin, on va rigoler. Il a que 44. En fait, on va tout donner à Tartin. On va tellement tout lui donner à lui. Oh là là, le pauvre. Et en plus... Et oui, c'est vrai, on oublie vite que c'est Tartin qui déteste les trucs. Oh, il a tellement perdu. Attaque et vitesse ou défense et vitesse. Ah, peut-être défense. Il a 45. Et l'attaque... Oh, l'attaque, il a tellement rien. Ils ont fait exprès de me donner des trucs trop forts pour que je lui augmente tout. Ah, bien, 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 bien. Oh, elle est magnifique. Ah, c'est bien, ça. Elle est magnifique. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Tu vas la prendre. C'est vraiment le level supérieur de l'étoile. C'est l'espace. Ah, ça y est, elle veut l'acheter, elle est magnifique. Je suis sûr que Lelei dans la vraie vie, elle ne m'en voudra pas de lui avoir fait équiper cette épée à la place de l'autre parce qu'elle est vraiment trop belle. Oh que oui, elle est trop belle. Elle attaque du 82, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a là? Ben non, j'ai plus de sous-sous en fait. On va y aller. On va changer la team. Alors, on va enlever tout le monde. Et on va réfléchir. D'abord, ce qui est sûr, c'est que nous allons prendre Tartin qui est niveau 10. Ok. Et on va prendre maintenant des niveaux 12. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a l'Opocute. Dommage qu'on puisse pas voir la jauge d'XP de chacun. Bon, si on réfléchit, on a pris un mec qui attaque fort et une fille qui attaque fort. Oh, il faut un healer. Il faut un healer de ouf. On va prendre... bah, c'est soit Antoine, soit Marshall. Hein. Soit Antoine, soit Marshall. Après, Antoine, il est plus healer. Marshall, elle fait un mélange de heal et d'attaque. Elle aura pas toujours le réflexe, je pense. Et on va prendre Antoine. Désolé, Marshall, j'espère que tu m'en veux pas. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Il y a Léo dans le chat, c'est pas vrai. Oh, Léo! Putain, mais Léo, mais t'es au courant que ça fait un moment déjà? Ça fait déjà 3 semaines que t'es dans mon let's play de Mythopia. Quand je t'ai envoyé l'autre jour la photo sur Twitter, c'était pas juste pour faire la blague. C'est pour te dire, mec... T'es vraiment un perso de l'aventure. Bon là, tu viens d'arriver puis au moment où t'es plus dans la team, désolé. Mais il y a eu un long moment où t'étais dans la team pour le coup. Et tu fais partie des persos les plus forts en vrai. Ta classe est ultra, ultra cheatée slash stylée. Il veut encore me vendre ses vieilles lettres, lui, le relou.
Ah non, une lettre. Ah non. Ah, c'est Emmanuel Macron qui nous écrit. Cher Farod, vous devez sans doute être déjà au château de l'avatar du mal. Je vous encourage. De loin. Ah, c'est exactement ce que fait Macron en politique, en fait. Je vous ai compris, je vous entends. Mais de loin, pas plus. Allez. On repart. C'est gentil, quand même. On m'avait envoyé la photo, mais je pensais que c'était que pour la vanne. Eh non, mec, pas du tout. On a fait plein de youtubeurs différents. On s'éclate. Et Lilou Kitsune qui offre un sub à Léo Techmaker. Mais on est où là? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est gentil, merci. Et merci de la Croix Pixie pour les 300 bits. C'est gentil. Alors, je vais monter sur mon meilleur cheval. Et je vais... Oh bah, je vais en démonter un. Oh, il doit avoir beaucoup de vie, lui, je pense. Pourquoi l'automode a bloqué le mot abo? Bonne question. Mais peut-être parce que c'est un mot en trois lettres. Mais elle m'entend pas, Xut. Pourquoi je lui réponds? Elle m'entend pas. On l'a démonté. Ronron. Oh, les copains. Oh, on va tous aider Antoine Daniel. Parfait. Tartin qui se réveille. Oh, il fait que du 21, Tartin, c'est pas beaucoup. Oh, elle a le feu au cul. Comme dans la vraie vie, en fait. Il faut que je la mette à l'abri et vite. Sauf si Antoine s'en occupe avant. Aspiration de vie, pas mal ça. Et elle récupère. Oh là, elle récupère tellement de trucs. Putain, elle a récupéré toute sa vie en une attaque, c'est dingue ça. Ah ouais, on continue bien sûr. Bonus XP, Tartin obligé. Il est trop en retard sur tout le monde. Ouais, toujours tout droit. Hein. Bidibidibidibidibip. Ouh. Vas-y, vas-y, vas-y. Fais-toi plaisir en automatique. Ah putain, automatique, il mange un bonbon, ce con. C'est, sans déconner. C'était la pire erreur de me mettre en automatique. Ils m'attaquent tous. Ils font du 1. Bien joué, l'amitié qui augmente. Il n'y a pas un parmi eux qui a une attaque qui peut frapper tout le monde d'un coup là, ça serait bien. Hein. Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait, Tartin, merci. Parce que là, ça allait être long sinon. Parfait, là, comme tu dis, parfait. Bien joué, elle augmente de level. Cool, 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 cool. Il faut encore que Tartin augmente beaucoup, beaucoup. Eh, au pire, je pars à l'aventure qu'avec Tartin. Si on part que tous les deux, est-ce qu'il gagnera plus d'XP ou pas? Peut-être que je me fais des films. Hein. Et Tartin, il passe sa meilleure vie, le cheval, par contre. Hein. Je sais pas ce qu'il fout. Bonjour pile poil. Oh, c'était rigolo, tu as l'air en pleine forme. Et paf, niveau 5. Non, on me dit non. Ah, c'est dommage. J'aurais bien aimé. Bon, on va changer un petit peu les gens là. Tiens, Léo, t'es là. T'es juste ici. Léo, on va te mettre avec... avec Lelei. T'as pas augmenté d'amitié avec elle. Déo, on va te mettre avec Antoine Daniel. Marshall, on va te mettre non pas avec JD, mais avec... avec Lopocute. Et Askuns, on va le mettre... Ah merde, il est déjà pote avec JD, mince. Alors, Léo avec Askuns et Marshall et JD, ils sont déjà potes tous les deux, mince. Compliqué tout ça là pour trouver des gens qui sont pas encore potes. Ah ben voilà, c'est bon. C'est bon. Lopocute et Déo, pas potes. Pardon. Lopocute et JD, pas potes. Déo et Antoine, pas potes. Askuns et Léo, pas potes. Et Marshall et Lelei, pas potes. Alors on est plus que bon, parfait. Et je vais juste reprendre. Ah oui, mais Tartin aussi, il faudrait le mettre à pote avec des gens. Oh, il est pas pote du tout avec personne. Ouf. Tartin, on lui filera les tickets sortis, je pense. Non, ma défense, pas besoin de l'augmenter, je suis trop fort. Tartin, oui, par contre, faut vraiment t'augmenter tout. J'avais complètement oublié. Mais Tartin, tu fais pas d'effort, là! Je veux t'XP! Ah, Léo, oh non, je la déteste. Je t'ai mis avec Askuns, j'espère que tu le détestes pas, du coup. Il a combien de défense? Il a 57. C'est pas beaucoup, 57 de défense, hein. Surtout pour un healer, c'est pas beaucoup du tout. Allez, on va te l'acheter. Ouais, mais Nick Tartin, là. Il avait moyen d'XP beaucoup, là, et il s'est dit, non, trop facile, quoi. Non, tu vas rester le pingouin bleu de Mario Kart, je suis désolé. C'est beaucoup plus fort que moi.
et des choses à bouffer peut-être maintenant. Alors, un bouclier gratiné. Si le bouclier n'est pas au mur, c'est qu'il n'est, c'est qu'il est dans le four. J'ai pas compris, c'est pas grave. Allez, c'est pour toi, Tartin. Ouais, mais ça m'étonne pas du tout. Comme d'hab, il aime rien. Gros chieur. Nick Tartin de fou. Les PM, non, plutôt les PV. T'as besoin de PV, toi. Et voilà, il aime rien, il aime rien, il aime rien. Mais putain, c'est pas vrai. 36. Oh là, mais elle adore et en plus elle a pas beaucoup de PM. Vas-y, régale-toi. Il aimait tout avant. Non, non, mais c'est parce qu'il est devenu un connard entre temps. Je vous l'ai dit, il faut pas le récupérer dans la team finale, Tartin. C'est le pire. C'est le pire. Il embête tout le monde. Bon. Nous sommes tous niveau 13. Alors, on va augmenter ceux qui, je pense, seront dans ma team à la fin. À savoir Léo. Et à savoir. Ouais, je pense à Antoine. Hein. Et Tartin, on le remplacera par quelqu'un d'autre. Je sais pas encore qui. Non, en fait, je sais pas qui sera dans ma team à la fin. Parce que moi, j'hésite dans la force, dans les dégâts entre Léo et Lelei. Oh, on est deux sur la selle. Mais ça ne change absolument rien. Quel est l'intérêt de faire ça? Ça n'a aucun intérêt, en fait. Tu trahis ton chat. Ouais, je suis un mec comme ça qui trahit beaucoup, moi, faut savoir. Ah, mais du coup, Léo, tu vas pouvoir te voir, ça y est. Pardon, je ne nous mets pas en speedrun. Vas-y, regarde bien. Là, tu fous le feu à la torche d'Antoine. Tu le régales. Attention, lui, il va aspirer les PM. Oh, pas beaucoup, en fait. Là, tu t'es fait casser la gueule, Léo. T'es un peu une merde. Attention, mais t'as Antoine qui s'occupe de toi, t'as vu. Et là, vous êtes en mode, oh, Antoine, t'es trop mon pote. Et vous vouliez d'amitié. Tartin va foutre le feu au calme. 37, c'est pas assez. Moi, je veux impressionner Léo. T'es impressionné, Léo, ou pas, là? Je te sens pas trop. Ta classe, c'est scientifique, mec. T'es un putain de scientifique. Bien joué, Tartin. Super arme. Agrandie par magie l'arme d'un équipier le temps d'une attaque. Oh, nice. Dès qu'on repart à l'auberge, je te montre l'ancienne tenue que... Enfin, toutes les tenues que t'avais, en fait, jusqu'à maintenant. Ces monstres sont vraiment coriaces. Essayons de ne pas nous faire remarquer. T'es merde. Ouais, super idée. T'es pas bien? Qu'est-ce que je viens de dire? Pardon, désolé. Mais ça sur le compte de mon enthousiasme. On sent que c'est un jeu next-gen. Pour l'instant, c'est peut-être le meilleur jeu de la Switch, hein, sans déconner. Au-dessus de Breath of the Wild et Smash Bros et Mario Kart. Tu as sommeil? Un peu. T'as vu, tout le monde s'intéresse à toi et tout. Combat. Oula, les problèmes. Je veux impressionner Léo, attention. On va vite mettre de la salière parce que je sens arriver Farod qui va bouffer un bonbon. Quel gâchis. Ok, et les PV pareil. Oh, il a que 36 PV, Tartin, c'est pas assez du tout. On est vraiment la team de ceux qui ont le moins de PV là, j'ai l'impression. Ah oui, parce que tu as la classe rêveur aussi, Léo. Tu es un peu un rêveur, tu as la tête dans les nuages. Ça, parce que tu es un scientifique, tu crées plein de trucs, tu es un rêveur, tu comprends. Il va juste mourir, en fait. Oh, tu manques tellement de PV, c'est ouf. Allez, c'est reparti pour un tour. Allez, Léo va donner un coup de main à Antoine, il va lui foutre le feu à sa torche. Non, ils attaquent ensemble, ok, c'est bien. Et Tartin... Il attaque du vin, c'est pas énorme. Allez, on attaque ensemble, Tartin. Bien joué, toujours pas mort. Léo, attention, il va régaler. Ouh, tout le monde va l'aider. Il est pas mort, mais what? Mais il est hyper costaud ou quoi, là? Oula, les gros problèmes. Sauf s'il le tue, Tartin, de suite. Ah, ok, il est mort. C'est vrai que ça fait longtemps que Léo, il a pas fait l'attaque bug informatique. C'est l'attaque la plus stylée du jeu, je trouve. Et l'animation est trop stylée, mais tu l'as pas faite. Parce que t'es une merde. Voilà pourquoi. Hein? Oh. Il va se passer un truc. J'entends la voix de Mickey qui arrive. Yes, la salière qui augmente jusqu'à 200. L'amélioration de l'abri. Oh oh oh! La gratitude des habitants que tu as sauvés renforce tes pouvoirs. Tu apportes de l'espoir à tout Mythopia.
Continue à vaincre les monstres qui se dressent sur ton passage. Prochaine étape, sauver 800 habitants. Bon courage. Oh, oh, oh. Putain, c'est Mickey. C'est Mickey. Prends des comptes, c'est ouf. C'est un truc de fou. Allez, trop potes tous les deux, bravo. Trop potes avec un cheval, bravo. Alors, Léo, 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 puisque tu es là, puisque tu nous fais honneur de ta présence, ça a été le cas pour Marshall, ça a été le cas pour Lelei, ça a été le cas pour personne d'autre, du coup après, tu vas pouvoir choisir exactement comment tu t'habilles. Alors d'habitude, je te mets pas de... Merde, je suis bourré. D'habitude, je te mets pas de chapeau pour qu'on puisse bien voir tes cheveux et te reconnaître. Tu vas choisir ta blouse. Léo, est-ce que t'es encore là ou pas? Regarde bien tout ce qu'il y a à voir, Léo. Attention, prépare-toi. Tu as la blouse de base. Tu as commencé le jeu avec ça, d'accord? Tu as la blouse de labo, à qui on peut mettre la couleur que tu veux, du rouge, du jaune, du vert, tout ce que tu veux. Tu as la blouse délicate. Je suis pas sûr que ce soit trop ton truc, hein, mais après, t'as toujours d'autres couleurs. Tu as la blouse en plastique, un peu stylée. On l'a bien aimée à un moment, mais on l'a pas gardée longtemps. La blouse à pois, qui est dégueulasse en soi, je te la conseille pas, mais si tu la veux. Et là, par contre, tu as la blouse élégante et pendant très longtemps, tu as gardé ça. Tu as gardé ce costume-là. Parce que ça faisait penser à Doctor Who. Mais tu as d'autres couleurs. Tu as la blouse en 3D, la France, RPZ. Mais tu peux mettre les couleurs que tu veux aussi. Et tu as la blouse en laine, si tu veux être le Père Noël, avec d'autres couleurs aussi, un peu. Et je sais, c'est beaucoup de choses que je te montre. Il faut que tu en choisisses qu'une seule. La blouse horloger, j'ai pas trop aimé le fait que l'horloge soit aplatie comme ça. Ça fait pas 3D. La blouse minimaliste, très classe, très stylée, pour les soirées, si jamais il y en a une qui te plaît. La blouse gonflette, je te la déconseille, tu comprends pourquoi. Et la blouse métallique, que je trouve très stylée, là, depuis quelques temps. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et après, je te laisserai choisir aussi l'arme. Après, ouais, non, après, c'est les tenues Yoshi Link et tout ça, mais on veut que tu restes dans le délire scientifique. Moi, ce que je te conseille... Élégante ou métallique, j'hésite. Alors, je vais te les remontrer dans ce cas-là. Élégante, et tu as bien raison. Et métallique, c'est la dernière. Ok. En métallique, tu as ces couleurs-là. Je sais pas s'il y en a une qui ressort plus qu'une autre. Et en élégante, tu as... Alors, regarde bien. Tu as un costume un peu noir. Un rouge flash. Le beige, qui fait très, très stylé. Le jaune, pourquoi pas. Le vert aussi, pourquoi pas. Ça fait un peu scientifique, un peu Rick et Morty. Le bleu aussi, il fait très scientifique. Je pense que... Je vais pas donner mon avis. Mais je pense que l'élégante est plus stylée. La violette. Ou la beige. Que préfères-tu? Allez. Nous choisirons en fonction de ton choix. Élégante en grise. Elle est là. Élégante en grise est comme ceci. Je te montre toutes les couleurs, regarde bien, hop. Si tu veux, je tourne en continu jusqu'à que tu choisisses, que tu fasses ton choix. Après, gonflette, c'est pas mal non plus, hein. Alors, qu'est-ce que tu nous choisis? Qu'est-ce que tu nous choisis de beau, là? On compte sur toi parce que c'est le... À partir de là, c'est le truc que tu vas garder jusqu'à la fin du let's play. Sauf si on tombe sur un habit qui est encore plus ouf, et je te l'enverrai en photo et je te demanderai si tu le veux. Elles sont toutes belles. En vrai, moi, je préfère. Celle-là, je la trouve belle. Non. Oui. Non. Pourquoi pas? Oui. Non. Non. Voilà, je vous ai donné mon avis. À choisir, j'hésiterai entre gris, marron et bleu. Bah, vert est pas mal aussi. Vert et bleu, ouais. Vas-y, la bleue. Parfait. Et ce n'est pas fini. Maintenant, il faut choisir ton arme. Parce que là aussi, des armes, t'en as eu plein. Et regarde bien. T'as eu la fiole d'étudiant. Ça, c'est quand t'as commencé à jouer. T'as eu le tube à essai. Très stylé, en bleu. Il irait très bien avec ta veste. T'as eu la bouteille de ketchup. On sait pas ce qui t'a pris à ce moment-là. On t'a un petit peu perdu, je t'avoue. T'as eu le tube enroulé. T'as eu ton kiff, ton délire, ton fétichisme, pourquoi pas. T'as eu le biberon. Parce que oui, t'as eu un gosse à un moment dans le jeu. Félicitations. T'as eu la fiole de poison. Ça, c'est l'arme que t'as gardée le plus longtemps. C'est celle que je trouvais la plus stylée. T'as eu la fiole de cristal que je trouvais pas belle du tout. Et là, t'as eu la fiole de labo. Qu'est-ce que tu préfères? Avec qui le gosse? Tu l'as eu avec Deotuna. Spoiler, voilà. Tu l'as... Je sais pas comment vous avez fait. Il y avait le cheval aussi apparemment un petit peu dans le loup. Ouais. Allez, je te remontre un peu. Celle-ci. Celle-là. Celle-là.
Il n'y a rien de très tech. De tech, et non, parce que c'est pas un... Non, et non, c'est un chimiste, du coup. De tech, et non, t'as rien de tech, en vrai, désolé. Non, là, pour le coup, non, t'auras rien de tech. Non, là, je peux pas t'aider. Mais tu peux choisir qu'avec ça, par contre. Qu'est-ce qui t'intéresse de plus? Je continue à descendre, s'il y a un truc qui te donne envie. Un bébé Déo cheval. Un bébé Déo cheval tech maker. C'est ça qu'on veut. Par contre, j'ai pas toute la nuit non plus, en fait, Léo. Donc ça serait cool de... La fiole étudiant classique, mais bon, je trouve ça fait le mieux. Celle-ci. Allez, c'est ton choix. J'aurais pas du tout choisi ça, mais c'est pas grave. Ah oui, du coup, tu peux avoir des chapeaux aussi, mais... Pour la plupart des persos, je préfère... Ah d'ailleurs, Déo, qu'est-ce qu'il faut avec ce chapeau? Il a pas de chapeau, normalement. Je préfère enlever le chapeau de tout le monde pour qu'on puisse voir leurs cheveux et qu'on les reconnaisse, du coup. Sauf... Bon, sauf Askun, c'est obligatoire. Antoine, parce que... T'as compris, pourquoi. Moi, parce que j'ai les oreilles de chat sur mon casque, évidemment. Et l'Opicute, parce que c'est une vraie tigresse diablesse dans la vraie vie, tu connais. Hein. Tu t'es bien placé pour le savoir, toi, d'ailleurs. Ça va cacher les cheveux. Et ouais, voilà. C'est le problème. Qui veut acheter? Oh, bah, évidemment, quand j'ai plus de sous, tout le monde veut acheter. Bien sûr. Tartin, ouais, il faudrait... Ah, t'as pas assez de sous. Oups. Oh putain, y'a quelqu'un qui s'excite à droite là-bas. Moi. Alors, tu as 61 d'attaque. Lui, il a 66. Les autres, on s'en fout. Elle a 46. Ah, c'est l'attaque, pardon, je croyais que c'est la magie. Ah, mais c'est l'attaque. Ouh, ça change tout. L'attaque, c'est plutôt moi, ça. Je suis à 86, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, mais c'est Tartin qu'il faut augmenter, en fait. Non, vous m'avez dit que Tartin, on lui augmente pas, parce qu'il fait que de la magie, c'est vrai. Pardon, j'avais oublié. Donc, 86, 82, 61, 61 aussi, ah, 46, elle a des attaques physiques, elle, quoique, quand elle plante sa fourche dans le sol qui repart, je sais pas si c'est physique, je pense que c'est de la magie. Ouais, j'hésite entre Antoine et elle, mais Antoine, vu qu'il aime bien, je vais pas prendre de risque et je vais lui donner. Ok. Donc augmente la magie, la défense. Ah ben voilà, c'est pour Tartin. C'est parfaitement pour Tartin, justement. La défense, est-ce qu'il fallait? La magie, il pouffe que ça. Ok. Bon, je peux acheter rien pour... Non, on va économiser pour la baguette de Tartin. Oh, dur. Il nous met dans la merde, hein. C'est moi qui décide, bien sûr. C'est moi le chef, c'est moi le dictateur, au revoir. N'oubliez pas de ne jamais arrêter d'apprendre, bien sûr. Ah oui, c'est ton slogan, ça aussi. Quand tu fais une action folle dans le jeu, t'as ton perso qui crie « N'arrêtez jamais d'apprendre !» C'est vraiment trop bien fait, ce jeu. Oh, un énorme coffre. Oh. Quelle chance, c'est ce que je voulais acheter à Tartin. Bon, elle est pas très... Enfin, elle est classe, mais j'aime pas l'embout. Enfin, non, pas l'embout. L'embout est très stylé, mais le... Les formes comme ça, j'aime pas trop. Regardez celle-là. Il augmente tellement en attaque. Non, pas tant que ça, en fait. Plus 3 à chaque truc. J'espère que tu payes l'assassin pour le slogan. Bon, l'assassin, je la paye pas, je la braque. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez reçu une lettre. Oh, mais c'est McFly. Cher Farod, salut. J'aime pas écrire des lettres, ça me fait mal au poignet. Alors, à plus. Ah ouais, ça te fait mal au poignet. Pourtant, tu disais pas ça quand tu... Ouais. Ouais. Allez, des tickets de sortie, on va les donner à Tartin pour qu'il se lie d'amitié avec les gens. Rampshit. Non. Je veux pas faire de pause, pardon. Alors, Tartin, il faut qu'on le mette vraiment... Oh, il se passe un truc entre Léo et Askuns. Attention. On a un peu de temps pour nous aujourd'hui. Pardon. Je vais en profiter pour changer un peu de look. Donne-moi juste une minute. Oula. Ça va être une waifu, je le sens arriver. Tada! Oh! Bah, en vrai, ça va. Qu'est-ce que tu en dis? Bah, en vrai, ça pourrait bien lui aller dans la vraie vie. Avec la couleur de ses yeux et tout. C'est vraiment toi! Waouh, on est devenu trop potes d'un coup. Niveau 2, ah oui. C'est vraiment le début d'amitié, quoi, en fait.
Donc Tartin, il faut qu'il soit pote avec les gens de l'équipe. Donc on va le mettre avec Léo. Et on va les faire aller au bord de la mer ensemble. Un tour à la plage. C'est parti, let's go. Allons-y les amis. Nous allons les trouver, je sais qu'on peut y arriver. Tu connais le chemin. Et je sais plus ce que c'est la suite. Tu connais le chemin. Je sais plus ce que c'est la suite. Y'a peut-être pas de suite en fait. Peut-être que tu connais le chemin, c'est même pas une parole en fait. Je sais qu'on peut y arriver. Attends. Attends. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Nous allons les trouver. Je sais qu'on peut y arriver. Où allons-nous chez Dora? Où allons-nous chez Dora? Où allons-nous chez Dora? Et non, j'ai pas la suite, putain. J'ai arrêté à partir de la saison 3, hein. J'aurais dû la regarder plus souvent. Erreur. Montre-nous le chemin. Ah, c'est pas... Tu connais le chemin, c'est montre... Je me rappelle plus de ça. C'est le deuxième couplet, c'est le couplet que les gens ils connaissent le moins. Quoi? 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 Attends, quoi? Non, non, il y avait une dialogue de fou. Je crois que Tartin, il a dit, il a une sacrée queue. J'ai loupé ça. Est-ce que quelqu'un peut revenir en arrière, peut clipper, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut faire un screen? Ça serait tellement, tellement la miniature de la rediff, ça aussi. Je suis quasi sûr d'avoir lu comme dialogue de Tartin. Oh, il a une sacrée queue. Dommage qu'il regardait pas dans la direction. Je vous jure qu'il a dit ça. En tout cas, il y avait le mot queue. Ou alors, il y a une sacrée queue. C'est peut-être ça. Mais ça revient au même, c'est tout aussi bien. Alors, on va augmenter avec... avec Antoine. Il y a une sacrée queue, j'ai vu. Oh, dommage. Mais c'est bien aussi, c'est pas mal. Mais c'est pas aussi bien que... Il a une sacrée queue. Voilà, c'est pas grave. Ah oui, faites gaffe, les liens URL dans le chat, c'est pas autorisé. C'est dommage, on devrait pouvoir accepter... on devrait pouvoir refuser dans le chat avec Mobot tout lien URL, je suis d'accord, mais accepter tout ce qui est clip Twitch. Ah non, parce que tout le monde ferait des clips et les enverrait H24, ça serait chiant en fait. Sauf si on modère ça en plus, et on dit n'abusez pas des clips Twitch, et vous pouvez en lancer seulement si c'est vraiment un truc qui vient de se passer, ou un truc fou, ou Farod l'a demandé. Ça spammerait. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire, si on le... C'est comme... Il y a plein de trucs que les gens aujourd'hui pourraient spammer. Et il y a plein de gens dans le chat, ils savent qu'il faut pas spammer. Genre les émotes ou des trucs comme ça. Et je pense que c'est une règle qui pourrait avec le temps s'apprendre petit à petit par tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Si tu fais la modération des liens avec le truc Twitch natif, tu peux exclure les liens de Twitch. Twitch natif, qu'est-ce que c'est que ça? Avec l'automode. Après, si on a un vrai bot codé par Nymphia, il pourra nous bannir tous les liens, sauf les liens qui sont des clips Twitch. Et ouais. Et ouais. Haha. Les PM et la magie. Bah, t'en as... Non, les PM et la défense. Bah, vas-y, prends. Ah, mais pour une fois, il aime bien. Ça n'a pas augmenté, dommage. Qui veut acheter un truc? Ah oui, Tartin. Ah non, mais à 2500, va te faire foutre en fait. Lelei, pas du tout, Marshall, pardon, elle a 57 de défense. Askens, il est à 56 et ça coûte pas beaucoup. Allez, Askens, je te l'offre, c'est cadeau, c'est pour toi. Je vais bouger, j'espère que mon perso va assassiner tout le monde dans la baraque. Oui, sûrement. Merci d'être patient en tout cas, Léo, ça m'a fait plaisir de te revoir. J'espère que tu vas bien. Passe une bonne soirée et à plus, bonne nuit. Ciao, ciao. Et on est parti, toujours avec la même team, ça ne change pas bien sûr. Let's go. Et maintenant on va aller chercher le coffre à droite, bien sûr. Allons-y. Je suis si fatigué, je crois que je vais abandonner. Dans ce cas, il faut utiliser l'abri lors des combats. Tu y récupéreras peu à peu ton énergie. Bonne idée. Je reste à l'abri avec un jus d'orange jusqu'à la fin du combat. Le gros flemmard. J'ai parlé de te mettre à l'abri, pas de jouer au tir au flanc. Clin d'œil, clin d'œil. Clin d'œil. Ils sont trop relous les deux. Allez, mon dieu, il reste plus qu'une demi-heure de live. Et c'est déjà la fin, non.
C'est une tristesse. Ça va vite. Non, vous allez me manquer. Parce qu'en plus, demain, il n'y a pas de live. Hein. No stream demain. Ça tue toujours pas, purée. Oula, il va se faire buter, lui, attention. Il va mourir. Les problèmes. On se reverra que dimanche. Et il fait coucou, Léo. Coucou, c'est moi. Ça va? Ça va, vous? Allez, c'est reparti. Ah, je vous abandonne demain. Adios. Adios, les potes. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera que pour mieux se retrouver. Dimanche pour le 3 à Trackmania, non? C'est ça. Trackmania, c'est plus très sûr qu'il y en aura. Ah, Léo, il est de gauche, évidemment. Ah, ben non, j'ai menti. Il était complètement de droite. Oups. Et non, je n'ai pas le planning de la semaine prochaine. Je sais juste que lundi, on va suivre les conférences de l'E3. Mardi aussi, à 18h, il y a le Nintendo Direct. Mon Dieu, mardi. Mettez-vous une alerte, soyez là. Ça va être très très important. Méga guérison. Quoi? Merde, putain, on a perdu une attaque pour rien. Et en plus, il se lie d'amitié, c'est complètement con, ça. Profitez du soleil, buvez de l'eau, c'est important. Tout à fait, Okra. Tu as raison. Buvez de l'eau, c'est très, très important. Dès que vous pouvez, tout le temps. Du coup, pourquoi peut-être plus de Trackmania? Parce que, en fait, les horaires des conférences ont changé. Et ça fait qu'on va commencer le live à 19h et on va terminer vers 23h. Et je sais pas si je serai chaud pour me lancer dans 2h de Trackmania juste après, tu vois. Alors que ça fera déjà pas mal de temps que je stream, hein, en fait. Donc je sais pas trop. Surtout qu'il risque d'y avoir une autre conférence après 23h, vers minuit ou 1h du mat, donc ça va être très bizarre. Hein. Je pense plutôt que ça sera du blabla demain et pas du... Enfin, je sais pas, s'il faut, je serai ultra chaud, j'aurais fait ma sieste avant et go. Et vu que je vais rentrer de la veille, j'aurais fait un gros anniversaire. J'aurais fait beaucoup de routes aussi. Je pense que je vais être vraiment cané pour de vrai. Donc je sais pas ce qui va se passer en vérité. On verra bien. On verra. On verra dimanche. Hop là. Oula, oula. Oh non, il va le tuer. Non, il va se sacrifier. Action gentille. N'abandonne pas. Nice, bien joué, Farod. Le boss. Le boss des boss. Excellent. Il fait pas très mal, Tartin, quand même. Hein. 19, c'est pas beaucoup. Hein. Et mais c'est à croire qu'ils ont fait exprès de me donner Tartin en dernier pour qu'il soit le plus nul et pour vraiment me convaincre de ne surtout pas le garder dans l'équipe. Oui, oui, oui. C'est ce que je pense. Un Xenoblade Chronicle 3. Ah, je serais tellement content s'ils nous sortent ça. Oh, une lettre. Oh, c'est Carlito. Cher Farod, sachez que je suis de tout cœur avec vous. Alors, eh bien, bonne chance, quoi. Merci, Carlito. Oh, des tickets sortis, trop sympa. Merci, mec. Alors, il se passe un truc là-haut. JD a acheté un cadeau pour l'Opocute. Essayez de deviner qui sera jaloux, du coup. Vous avez 5 secondes. Un chandelier en argent, c'est trop sympa. Ah, ça me plaît. Et la personne jalouse sera... Moi, je dis que ce sera... Deotun. Ah non, c'est Marshall, autant pour moi. Oh, trop... Trop triste et trop mignon à la fois. Et pas juste. Il n'y a que pour le Pocute. Non. T'es une victime, Marshall. C'est ouf, t'es une jalouse. Incroyable. Le cheval, il est vraiment très pote avec Tartin. Je sais pas ce qui se passe entre eux aussi, là. Oh, ils font le dodo ensemble, les meilleurs... Oh là, il y a JD qui s'est ramené, on sait pas pourquoi. Ben, je... qu'est-ce que... Comment... Je... quoi? Hein? Comment? Allô? Quoi? C'est fou, ça. Hop là. Alors. Petit ticket sorti. Il est niveau 3. Ah, il m'a dit qu'il fallait être au moins niveau 6 pour que ce soit intéressant. Tu as épié pour le film Kaamelott? Christina ne m'en parle même pas. Tu n'imagines même pas à quel point je compte les jours. Sincèrement, je suis plus hypé par le film Kaamelott que par le Nintendo Direct de mardi. Pour te dire à quel point
Ça fait... Tu te rends pas compte, ça fait 11 ans de ma vie que je l'attends. C'est pas 11 ans que les gens l'attendent. C'est 11 ans que moi, j'ai terminé la série sur M6 il y a 11 ans. Il y avait écrit sur ma télévision, bientôt Arthur reviendra. Et je veux la suite, je suis en mode, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est la folie, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Et ça fait 11 ans que je suis sur cette fin. Et que je me dis, mais putain, et là ça y est, enfin, je vais avoir la suite. Et je me dis, enfin, mon moi de il y a 11 ans, donc qui avait 17 ans du coup, je crois. Pas du tout, qui avait 15 ans du coup. Qui était extrêmement frustré, va enfin pouvoir avoir la suite du récit, la suite de l'histoire. Et vu ce que j'en ai vu, des photos, des trailers, ça a l'air d'être incroyable. Les costumes de ce film ont l'air d'être incroyables et j'ai trop hâte que ça sorte. Donc voilà, je suis très 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 heureux que ça sorte enfin. On aurait dû le voir depuis déjà un moment, hein. Le film a été décalé avec le Covid. Mais c'est la folie, voilà. J'en ferai sûrement une vidéo pour en parler sur YouTube parce que c'est vraiment un truc qui me tient beaucoup trop à cœur, cette série. Tu t'arrêtes à la fin de la zone? J'ai pas prévu, enfin je m'arrête à minuit quoi, pourquoi? Vous pensez qu'il faudrait que je m'arrête là? On va arriver à un gros boss ou un truc comme ça peut-être? Non mais, je veux dire pas maintenant, mais... Est-ce qu'on arrive dans pas longtemps à un truc genre un gros truc quoi, tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y aura un boss, ok, mais pas LE boss. On n'est pas à la fin du jeu encore. On en est à combien là au niveau du jeu à votre avis? Dans l'histoire du jeu? Je meurs de froid, il fait frisquer. Ah, et pour se réchauffer, du coup, ils font de l'entraînement. Bien joué. Je suis à 50%, 75, 25, personne n'est d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Personne n'est d'accord entre eux, mais qu'est-ce que c'est? En tout cas, il nous reste encore que... 27. Putain, je suis con. 27 minutes avant la fin du live. C'est très triste, je suis au courant, je sais bien. Apparemment, je serais à 70%. Mais avec le post-game, c'est qu'à 40%. Putain, c'est quoi ce post-game de ouf qui rallonge le jeu comme c'est pas permis? What? Mais Léo! On l'appelle l'OVNI! Pauvre Léo. Ok. Alors, qui va acheter les trucs? L'Opocute, peut-être. La défense... Ouh, t'en as pas besoin. Et moi non plus, d'ailleurs. On va garder les sous pour plus tard, pour quelqu'un d'autre. Tu es à 1%. Ah, ok. Je suis à 36 PV. 36 PV. Oh, c'est si faible. Ah ouais, il a un vrai problème de PV, lui. PV plus attaque. Allez, en espérant que tu kiffes. Oh, il a adoré. Quel plaisir. Et il n'a plus faim. Ok. Ah, j'ai mal au cul. Aïe! Alors, quelqu'un d'autre a augmenté les PV un peu ou quoi, là? C'était Léo qui en avait pas beaucoup, des PV. Ok. La défense et la vitesse. Qui a besoin d'augmenter sa défense, ici? Tartin, évidemment. Donc, pas moi. Elle a 60. Il a plus. Il a 60 piles aussi. Entre eux deux pour la vitesse. Ah ouais, c'est Lélé. Elle a besoin de plus de vitesse. Cobra Free. Ah, il n'aime pas, lui. Les PV et l'attaque. Qui a besoin de PV? Tu es à 53. Tu es à 46. Mon dieu. Que tu es faible. Et dommage, il n'aime pas. Et puis il n'y a personne qui aimerait. C'est incroyable ça. C'est fou. Ok. On l'a fait le coffre ou pas? Je ne me rappelle plus. Toujours tout le monde niveau 13, ça change pas. Très bien. Eh, on n'a pas fait le coffre. Donc je pense qu'on va arrêter le... On va faire ça, plus le dernier après. Et ça sera après. Il nous reste encore 20 minutes. Bien sûr qu'on l'ouvre, il est énorme ce coffre. Oh. Ça c'est pour Tartin, ça va lui faire plaisir. Elle est horrible par contre. Oh là là, on dirait des trucs... Des trucs d'adolescent gothique, là, le cœur sur le chapeau, là. Bon, je critique pas, on est tous passés par là. Non, non, non. Par contre, ça t'augmente la défense, c'est bien, ça. Quoi? Putain, c'était ultra rapide ou comment? Non, je veux pas faire de pause. Oh, Léo, il veut voir la chambre de Marshall, bah alors. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce que c'est que ça, là? Bah, expliquez-moi. Qu'est-ce qui se passe, là? Petit cadeau? Et maintenant, je vais imiter Farod. Je veux voir ça. C'est le cul. Ouah, tu le fais trop bien! Ah. D'accord. Merci, les gars. Trop fort. Trop fort. Allez, on va les remettre ensemble. Qui va acheter un truc? Tartin? T'es ouf ou quoi? Non, t'as déjà dit non. Il y a plus... Ah, Farod. Et non, non plus. Défense de 66. Ah, oh, putain, non, si, en fait, t'en as grave besoin. Tu en as grave besoin. C'est pas ouf, cette tenue-là, non? Ah, quoi que si... Oh, elle est mignonnette, un peu. Ah, qu'est-ce que tu en penses, Marshall? Qu'est-ce que tu veux? On garde celle d'avant ou tu veux une couleur en particulier? Allez, Marshall, je sais que c'est dur le choix. Je sais que je t'en demande beaucoup. En rose. On est d'accord que le rose, c'est ça pour toi, la couleur du rose? J'avoue que c'est joli. Non, j'avoue que c'est... Même ce rose-là, il est très mignon. C'est sympa. Et je suis un mec cool. Je vais t'enlever le chapeau. Ouais, je suis comme ça, moi. Je suis un mec sympa. Allez. Ah, pardon. Peut-être que tu voudrais que je te remette celui-là. Non. Je sais pas. Non, pas de chapeau, tu as raison. Ok. Ok. Oh, j'ai que 48 points de... Enfin, pièces. J'ai vraiment plus de sous du tout. Tu finis à minuit ou comme d'hab à minuit 40? Ouf, je l'ai pris comme un tacle, ce que tu viens de dire, là. J'ai super mal. Je finis à minuit. Je finis dans 18 minutes. Oula, putain, ça a été long à charger. Paf, paf. Allez, on les démonte. Envoie la sauce. Bien joué. Oula. J'ai même pas eu le temps de lui donner la salière. Oula, les problèmes. Oh non, ils sont tous les deux dans les problèmes, là. Tartin, il bat, il s'en bat les couilles. Allez, on va rester sur abri jusqu'à que Antoine aille mieux. Courage Léo, ça va bien aller, t'inquiète pas. Pokémon est brûlé, juste, ça arrive. Ok, Antoine est de retour parmi nous. Et tu vas échanger ta place avec Monsieur Tech, Monsieur Techmaker. Il attaque tellement... Oh, je suis désolé, Tartin, je vais pas pouvoir te garder dans la team. T'attaques du 19. C'est vraiment très très faible. Mais j'espère que vous en êtes conscient. Hein. Tous ceux qui votaient dans les sondages l'autre fois en mode « Ouais, faut garder Tartin, il est trop fort. » Les gars, Tartin, il attaque du 19. Hein. C'est pas rentable. Hein. Bon, il augmente de niveau, c'est déjà ça. Mais quand même, 19, c'est pas beaucoup. Ah, après, c'est parce que... Ah non, et même l'attaque, son attaque, on l'avait augmentée. Sa magie aussi, elle est bien augmentée, en fait. Ça n'a pas l'air d'aller, Léo. Tiens, mange ma une banane. Léo, mange une banane. Merci. Tartin est under level, t'inquiète pas, Farod. Qu'est-ce que tu veux dire par under level? Je ne parle pas anglais, en fait, je sais pas ce que ça veut dire. Un coffre avec deux bananes. Bah on va aller en haut encore. Parce qu'on a trop pas le temps. Oula. Tu as les yeux rivés sur moi et quelque chose qui cloche? Il y avait un fil qui passait ton vêtement. Merci. Oh, trop sympa. J'ai une question. Est-ce que tout le let's play Mythopia est sur la chaîne Rediff? La réponse est oui, mon cher Ouni. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le live qu'on est en train de faire actuellement, ça sortira en Rediff dès demain à 11h. Pish, pish. Allez, la sauce. Il va avoir besoin d'une petite salière. Oula, Farod, des problèmes. Oula, Tartin, les problèmes aussi.
Tartin, mais Tartin est juste mort en fait. Mira, Antoine aurait pu le sauver. Bon, il y en a qui vont mourir un peu ou quoi là? Voilà. Il y en a un qui est mort déjà, ça fera une attaque en moins. Ah, ça c'est bien ça, bien joué. Encore un autre qui est mort. N'arrêtez jamais d'apprendre, bien sûr. Cette attaque a l'air super forte, mais elle rate souvent. Oula. Problème. Problème sur Léo. Léo Tech. Oh, j'aurais peut-être dû le donner à Tartin en fait. Je garde mes potions hyper balèzes. Au cas où on tombe sur un boss juste après. Qu'il faille le battre. Allez, bah, j'ai plus rien pour vous donner. Hein. Bah voilà, nickel, hein. On a du bol. Espérons qu'on ait une auberge maintenant. Parce que là, on est tous dans le caca. Oh, un steak. Un bon steak. Quel est ton dessin animé préféré du type Family Guy, Rick et Morty, Simpson? Mon préféré, c'est sans hésitation évidente, South Park. Eh bien oui, le jeu, nous allons pas tarder à faire une pause, effectivement, nous allons arrêter de jouer dans 13 minutes, très exactement, je sais, c'est triste, courage, courage. Qu'est-ce qui se passe? Le cheval veut parler à Antoine Daniel, mais quoi? Antoine fait le ménage. Oh, il a trouvé un truc, une carotte. Trop pote. Ok. Qui veut acheter un truc? Tartin ne veut rien acheter. Ah, tu veux augmenter ton attaque et ta magie. C'est pas bête, ok. Ta défense, elle est à 61, ok. Ta défense, toi, elle est à 64, d'accord. Ta défense, toi, elle est à... Oh, t'en as tellement besoin, par contre, toi. Toi, t'as une attaque 46, 72. 72. 52, 39. 46, 72, 52, 39. Je pense... Ah, il y a moi aussi. Ah oui, on s'en fout. Je pense que le plus important, c'est JD. Il a vraiment besoin d'une armure pour plus de défense. Il meurt souvent, JD. Et c'est quand même un healer au final. Eh ben, c'est pas grave. Pas grave du tout. Tout va bien. Tout va très très bien. Les PM et la magie, c'est bon pour toi, ça. Les PV et l'attaque. Les PV et l'attaque. Qui a besoin d'attaque? Non, qui a besoin de PV surtout. On est à 57 par ici. Oh là 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 là, on est à 46 par ici. On est à 47 par ici. Entre les deux, ça serait... c'est Léo. Il a besoin de PV et d'attaque. Bah PV et attaque encore une fois. Non, il n'a plus faim, d'accord. Donc 47, 68... 54, 46. Mais c'est pas grave, elle attaque plus à la magie, elle. 60. Il a 47. Hein. 60 et 52. Et c'est pour Antoine. En fait, j'ai assez pour rien, les gars. Non. J'ai rien qui vaut 1100, désolé. Level monté ou pas, là? Non, toujours pas. Ok. Eh, c'est moi qui décide. Est-ce que ça va être le boss, là, tout de suite, ou pas? C'est le boss, là, vous croyez? Ah oui, je sens bien que c'est le boss. J'hésite sur la... Oui, non, non, on va le faire, tout de suite. En 10 minutes, on aura large temps de le faire. Mais c'est juste que j'hésite sur la team, en fait. J'ai qui, là, dans la team? J'ai Antoine Daniel, d'accord. Tartin. En fait, c'est Tartin qui m'inquiète. Il est vraiment pas fort, il a pas beaucoup de vie, il a pas beaucoup de défense. Mais après, s'il fait ce combat, Tartin, il va gagner full XP. Mais c'est quand même pas ça qui va l'améliorer, je trouve. Oui, je sais que c'est un boss. On va tester, on va tester. Il faut bien qu'on l'augmente d'XP. Allons-y, à vos marques.
Tu sais ce que c'est, les dragons? Bah oui, bien sûr. Ce sont des créatures énormes. Et elles peuvent voler où bon leur semble. Et cracher du feu. Et nous réduire en cendres en un clin d'œil. Ah oui, j'ai lu ça dans un livre. Mais en vrai, ça n'existe pas les dragons, si? Il ne répondra donc jamais. Elle est tellement belle, la veste de Léo, c'est ouf. Hein? Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, putain con, les problèmes. Ah mais un dragon. On va l'appeler Spyro. J'aurais trop aimé qu'il soit violet. Les problèmes. On va se faire péter. Alors déjà, on n'est pas en automatique, c'est certain. Alors ce que tu vas faire, mon grand, c'est que tu vas affûter tes griffes. Et pendant ce temps... Oui. Oui. Eh oui, mon gars, bien sûr, c'était évident. On regarde bien tout ce qui va se passer doucement. Déjà, il veut m'impressionner, c'est bien. Il attaque du 92, c'est trop fort. Antoine. Il attaque du 76, c'est bien. Tartin. Farol va l'aider, bien joué ça. Il attaque du 36. Oh là là, il est faible, Tartin, il est faible. Le feu. Je prépare la salière de PV, ne vous inquiétez pas. Ah, Tartin a vraiment pas de bonnes stats. Et là, ça fait quoi ça? Oh, il m'a fait peur. Oh non, ça m'a calmé. Oh non, j'ai perdu l'affûtage de mes griffes et le supercell. Oh, je suis dégoûté. Non. Non, j'ai tout perdu. Je suis dégoûté. Léo. Farod va l'aider, c'est bien ça. Voilà, c'est bien. Il va se faire aider par Léo. C'est bien quand vous attaquez à deux, c'est très bien. Tartin, à toi. Farod va t'aider, c'est très bien. Le retour des flammes. Et on va donner la salière de vie. Pardon, n'importe quoi. La salière de pouvoir plus à Farod. Oh non, putain, c'est pas vrai. C'est chiant cette attaque. Allez, vas-y, régale-moi. 102. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Antoine s'est calmé, ok. Oula, nouvelle technique, la super arme. Il va allonger l'arme d'Antoine, c'est ça? Il va la rendre beaucoup plus forte. Oh, c'est un très très gros bâton, monsieur, ça. 42? C'est pas fou. Non, c'est vraiment pas fou. Tartin s'est calmé, ok. Il fait du 22. Oh mon dieu, on va tellement pas aller loin. Et là, il a fait peur à Antoine, évidemment. Ça tombe bien, Antoine, je te mets à l'abri. Et je ne te redonnerai pas de vie, du coup, parce que étant donné que t'es à l'abri, tu vas en regagner forcément. Je suis pas du tout sur le bon truc. Allez, Farod, régale-nous, s'il te plaît. Putain, le cheval, il se réveille pas, là. Le cheval, il pourrait nous régaler un peu. Ouah, 22. C'est peut-être pour ça que Tartin, il frappait pas très fort aussi. Peut-être que le dragon, il a une méga défense. Le retour du feu. Les problèmes. Là, il va effrayer quelqu'un. Il a effrayé Tartin. Allez, Tartin, à l'abri. Et on va laisser Antoine soigner un peu les gens, non? Ah putain, Farod est revenu comme avant. Les boules. Les grosses boules. Allez, on va faire affûtage de griffes. Et on va préparer une attaque pour la suite. 40, pas mal. Je lui donne un coup de main, let's go. Pas mal. Ok, c'est bien, c'est bien. Tartin, il fait du feu. 20, oh putain. Heureusement qu'il ne l'a pas fait à moi. Parce que j'étais en train de charger mon attaque. C'est risqué d'ailleurs de faire ça. Allez, re le feu. On va redonner de la vie un peu aux gens. Surtout à lui. Parce que c'est le healer du groupe en fait. C'est lui qui va redonner de la vie. Les PM. Oh, les gens, ils en utilisent pas beaucoup des PM pour l'instant. Bon, c'est à moi ou pas là? Ça y est, c'est à moi.
Et je vais faire la double griffure, évidemment. Oh, il a plus beaucoup de vie, en vrai. Et en plus, Antoine me rejoint, c'est bon, ça. Déo qui revient. Pardon, Léo qui revient. Ah, apparemment, je me serais trompé. Tartin, il avait pas peur à skip. Le fail. Oh putain. Oh putain. Eh oui. Adios. Allez, tiens. Allez, on est à la fin, là. On va pouvoir le démonter, non? On y est presque. Ben oui, bien sûr. Tu fais un double griffe, là. Ouais, tu le démontes, mec. Et voilà, mec. Trop fort. T'es trop fort, Farod. J'ai pas quitté dans la vraie vie, mais t'es un monstre. Merci beaucoup à Unali qui resub pour ses 5 mois. Bonsoir, je passe juste pour resub. Ça faisait super longtemps que j'étais pas passé sur Twitch. Je suis plus team Roddy FPS. Sache que toi et les modos plus forts. Le maroual de ma région. Merci Unali, merci beaucoup d'être passé. Ça fait plaisir, c'est très gentil. Et Tartin n'augmente même pas de level. Quel plaisir. Oh, un fruit du dragon. Let's go. Il est 23h57, c'est bientôt la fin des eaux. Oh, il va devenir gentil, il va nous aider, il va venir avec nous. Oh oui, ça va être comme le cheval. Où suis-je, mes aïeux? C'est embarrassant. Vous m'avez délivré? Oh, du fond du cœur, merci. Je suis Dominique, dragon de mon état. J'ignore ce qui m'est arrivé, mais il semblerait que j'ai semé un certain chaos. Je vous prie d'accepter mes excuses. Ouah! Qu'il est fatigant de piétiner ses adversaires. Rompiche, je vous souhaite une bien bonne nuit. Je rompiche âme. C'était Dominique, mesdames et messieurs. Oui, ouvrir. Oh là là, les sous-sous, la récompense du combat. Ah, j'avais pas vu, merci beaucoup à Julius Game. Je l'avais pas vu du tout, c'était à 10 minutes. Julius Game. Games. Julius Games, là, à sub en tier 1 pour la première fois de sa vie. Bienvenue. J'espère que tu vas bien. Niveau 33, les gars. Ah, Askens veut voir la chambre de Déo. Allez, on fait ça vite fait pendant les 2 minutes qui nous restent et après, tout le monde va se coucher. On se quittera et on va faire du sport ensemble. Du sport et ils sont dans une chambre. Est-ce qu'on peut appeler ça du sport de chambre? C'est rigolo. Oh là là, trop fort. Et ils sont niveau 6, ça c'est parfait ça. Qui veut des sous-sous? Marshall peut-être? Allez Marshall, on te fait plaisir. Et t'as acheté une banane. Marshall, c'est fini, je te ferai plus plaisir. Adios Marshall. Bye bye Marshall. Et ça ta défense? Oh, t'as vraiment une défense de ouf. Regardez les sous pour quelqu'un d'autre. Je me déteste. Courage Marshall, courage. Allez, c'est le dernier fruit avant d'aller se coucher. PV et PM. Qui a besoin de PV et de PM? J'ai envie de dire Tartin, mais il est trop nul. Allez, Ford. J'ai pas réfléchi. Je prends tout pour moi. Salut, ciao. Désolé. Désolé, pas désolé. Si Ford, tu as vu le nouveau DLC de l'E3? Pas du tout. Je sais pas de quoi tu parles. Désolé. Mais je vais aller voir ça si c'est vrai. Par contre, c'est la folie. Eh bien, nous avons terminé. Il nous faudrait une nouvelle team. Nouvelle teamasse. Adieu Antoine. Bonjour Marshall, nouveau healer. Et voilà, jusqu'à que Léo soit niveau 14, on prendra quelqu'un d'autre à la place. Loup. Il est minuit pile. Nous allons nous arrêter là. Juste... Oh, il y a un truc au-dessus. Je me demande ce qui va se passer. Mais ça... Merde, j'ai cliqué sur l'auberge, quel connard. Je suis couru. Voilà. Ça, on le saura que la prochaine fois. Nous nous arrêtons à l'intérieur du château de l'Opoc, le avatar du mal. Et nous découvrirons la suite du jeu, eh bien, tout simplement, la prochaine fois, puisque nous nous arrêtons là. Non, Rip, eh oui, c'est la vie, c'est comme ça, je sais. Faudra juste être là la prochaine fois, la semaine prochaine, du coup. Prochain live de Mythopia, je sais pas quand. Mercredi, peut-être.
Je dirais mercredi, ouais. Mercredi, ça peut être un bon jour. Ouh, vous allez attendre longtemps, là. Ouh, de vendredi à mercredi, ça va être long. Mesdames et messieurs, c'est la fin. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Merci beaucoup, YouTube, d'avoir regardé cette rediffusion. Je te fais des bisous et je te dis à la prochaine. Ciao, YouTube. Au revoir.